Je sais même pas à quoi je pensais. Oui, beau chien. Ouais, ça passe vite. On est désolé d'avoir été absente si longtemps. C'est la vie. Donc, bienvenue à notre épisode 33, qui sera aussi notre dernier épisode. Ça fait bizarre, hein? Ouais. J'ai quand même le matin un peu, mais bon. Ouais. OK. Là, je veux pas voir des « c'est dommage », s'il vous plaît. J'haïs ça, lire des « dommages ». C'est la vie. C'est juste la vie. Ouais. La vie, c'est ça que ça fait. Mais c'est correct. Mais c'est correct. C'est juste que, ben, étant donné qu'on habite loin l'une de l'autre, ça commence à être vraiment difficile de... De se timer. Puis nos horaires, ils fitent comme vraiment plus, puis... Là, toi, tu vas avoir le bébé, puis tu sais... Ça semblait difficile depuis que j'ai déménagé. Puis, fait que c'est pour ça que ça fait quasiment un an qu'on n'a pas tourné. Puis, c'est ça. Puis aussi, des fois, c'est qu'on aurait chacune envie de tourner, mais ça donne pas parce que l'autre n'est pas disponible. Puis là, ça fait qu'au final, on tourne rien parce qu'on peut pas se mettre... On n'arrive pas à se timer puis à être en... disponible en même temps. Ou tu sais, mettons, toi, t'avais full projet, moi, j'avais rien, ou vice-versa, ou tu sais, comme... Ça marchait juste pas. C'était juste tough de se timer, vu qu'on est rendu plus loin, puis que, tu sais, le travail et tout. Fait que, c'est la vie, d'adulte. Fait qu'on se dit que si on continue chacun, comme séparément, on s'aime, mais... Oui, mais c'est ça! Mais si on continue séparément, ça va être plus facile pour nous de continuer à faire des vidéos que vous laisser attendre pendant 10 mois parce qu'on n'arrive juste pas à se timer. C'est pas parce qu'on se voyait pas, hein, c'est vu pareil, c'est juste que c'est pas parce qu'on se voit qu'on veut tout le temps être en train de tourner un podcast non plus. Non, puis aussi, tu sais, mettons, si on se voit pas, comme ici, tu sais, mettons, c'est vu à la petite laine, mais là, petite laine, t'étais pas là pour... filmer ou tu sais comme... On s'était dit, on avait oui. Dit... On s'est dit, on va filmer à la petite laine, ben oui, toi. Après, on s'est dit comme... Ouais, non, impossible. Le matin, j'ai genre écrit carré, j'ai dit, non, laisse faire. On sera pas capable. Ben oui, juste, il fallait qu'on amène plein de stuff, puis non, c'est juste pas possible. Fait que tu sais, c'est juste une question de se timer, puis on s'est dit que ça allait être plus facile de le faire chacun de notre côté, mais c'est pas parce qu'on s'aime plus, là. Non, c'est vraiment juste comme... pas facile. C'est juste pas facile de s'aimer. Ben, je pense que vous avez compris. Là. Mais c'est ça. Puis voilà. Fait que c'est ça. Fait que pour la suite, on va voir un peu là, comment on s'organise. Moi, personnellement, j'ai quand même... Ça fait longtemps que je pense à ça. Là. Je pense depuis le mois de mai ou au mois de juin. Là, puis tu vois pas des rushs, s'il vous plaît. Je pensais peut-être, en fait, je pensais me faire un Patreon. Là, je sais, là, vous n'aimez pas ça, là, les Patreons, là, mais je vous explique un petit peu pourquoi. Ouais, honnêtement, ce que je te coupe, là, mais moi, pour vrai, ça j'en suis plein, là. Ben, j'en suis quelques-uns, puis juste, ça me fait pas plus chier. Ben, des fois, mais moi, honnêtement, c'est juste des fois de racheter une plateforme, t'es comme, ok, tu sais, c'est comme une autre affaire. Ouais, c'est vrai. T'sais, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, t'es comme une autre, tu sais. Ouais. Ravelry, tu sais, je comprends que c'est comme une affaire de plus, mais pour moi, je pense que c'est comme un peu ma solution la plus faisable pour la suite de mon côté. Puis parce que plus je vieillis, plus je me rends compte que je suis vraiment pas bonne à gérer plusieurs interactions sociales. Donc, je sais pas si vous m'avez dit, ça se pourrait très bien que vous m'ayez déjà écrit un message privé puis je vous ai jamais répondu. Ça, c'est 100% moi. Parce que quand il y en a trop, à un moment donné, c'est genre too much puis je fais juste genre shut down puis je suis comme non, mes message requests, non, je m'embarque pas là-dedans. Parce que là, si je commence à répondre à un, ben là, faut que je réponde à 150 autres personnes. Bref. Donc, c'est ça. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, des fois, peut-être vous me trouvez plate, là, mais c'est ça. J'ai bien la misère avec gérer beaucoup d'interactions. Puis aussi, je suis quand même quelqu'un de réservé. Peut-être ça paraît pas, parce que dans le podcast, je suis plus comme volubile, mais dans la vraie vie, je suis pas quelqu'un qui aime avoir genre 50 000 amis puis aller dans 50 000 événements. Je suis vraiment plus petite communauté.
Fait que le but de le faire avec Patreon, c'est que je sais que je pourrais contrôler le nombre d'abonnés, parce qu'on peut limiter le nombre d'abonnés. Puis en plus de ça, ben c'est sûr que ça fait quand même un mini revenu supplémentaire. Tu sais, avec lequel je veux dire, je suis pas contre, là, vu que là, je tombe en arrêt de travail là, puis ensuite en congé de maternité, puis en tout cas. Donc, c'est ça. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais avoir un nombre limité d'abonnés. Comme ça, je sais que si j'ai un nombre limité, ben, je vais être plus capable de. Je vais répondre à tout le monde, tu sais, au lieu de vous laisser comme. Pas répondu. Donc, voilà. Fait que moi, je pense que je m'enligne pour ça. Fait que ça va être dans les prochains mois que vous allez pouvoir voir ça. Puis sinon, autre chose, c'est que j'ai aussi. Ce qui m'a convaincue, en fait, d'aller avec Patreon, c'est que je sais que je peux suspendre les paiements pour quand je serai. Plus là. Donc, quand je vais avoir le bébé, puis le premier mois ou le premier deux mois, puis que je peux plus faire de contenu, je sais que je peux comme mettre on hold le Patreon. Fait que c'est pour ça que ça m'a comme convaincue que je serais capable de gérer cette plateforme-là. Okay, excusez, je t'ai soufflé. Vous comprendrez que ça ici, ça pèse un petit peu. C'est vrai, hein? Fait que pour ceux qui n'avaient pas vu mon Instagram, c'est ça. Je suis enceinte de 7 mois. Ouais. Et toi? Explique aussi un peu toutes les timings. Fait que là, j'ai pas de hey, non! Et puis je voulais aussi dire que j'allais m'arranger pour avoir quand même, pour les personnes qui ont des plus faibles revenus, là, je vais quand même avoir un tiers où est-ce que ça va être comme le moins cher possible. Je pense que c'est 1$, le 1 US, puisqu'on peut pas le mettre en canadien. C'est 1 US le plus petit montant qu'on peut mettre mensuellement. Fait, je vais m'arranger pour avoir quelques places pour les personnes qui ont moins de revenus disponibles. Cool! Voilà. Et toi? Puis moi, je pense que je vais continuer un peu sous le même format qu'on fait là, donc sur YouTube. Je crois que je suis pas encore sûre, mais je crois que je vais continuer à alimenter cette chaîne ici. Puis parce qu'on se disait avec Camille comme si elle veut popper une fois de temps en temps puis faire un épisode puis le mettre sur la chaîne des procrastinateuses, donc on la garde ouverte et on peut utiliser la communauté qu'on a déjà bâtie depuis les dernières années aussi. Tu sais, c'est plate de juste flusher qu'est-ce qu'on a déjà bâti puis recommencer from scratch, tu sais. Mm-hmm. Fait que je pense que je vais continuer les podcasts comme ça. Mais tout seul. Mais sur la chaîne des procrastes, dans le fond. Ouais. Dans le fond, ça serait, ben, tu changes tout. Tu mettrais procrastineuse au singulier. Ouais, ben, tu sais, peut-être que je ferais pas ça, mais probablement que ça serait ça. Je veux dire, moi, ça me va, en tout cas. En tout cas, tu sais, je vais continuer à réfléchir à ça, mais je vais continuer à faire des épisodes comme ça. Puis c'est ça, une fois de temps en temps. Puis, tu sais, on s'est dit, ça veut pas dire qu'à un moment donné, on n'aura pas. Un moment qui fit puis le goût de vous faire un spécial ou pas. La seule chose qu'on voulait enlever, c'était la pression de se sentir mal, de pas avoir le temps de se voir pour faire un épisode. Mm-hmm. Donc, c'est aussi que ça faisait qu'on accumulait chacun de notre bord des choses qu'on voulait montrer, mais qu'on pouvait pas parce qu'on n'arrivait pas à se trouver de moment, tu sais, alors qu'il y a tellement de matins que je m'étais réveillée, je me disais, hey, je filmerais tellement aujourd'hui, genre de quoi. Puis là, c'était comme, ben non, je peux pas. Mais fait que c'est comme ça fait que tu sais on aurait filmé full contenu séparément mais comme ensemble c'est juste impossible. C'est ça. Fait que c'est vraiment ça, c'est pas un adieu, c'est juste on change de façon de fonctionner puis on explore un peu les possibilités puis restez à l'affût, vous allez tout voir ça. Puis je vais peut-être essayer d'être meilleure sur Instagram. Je suis tellement pas bonne en photo là, que genre j'ai une belle photo 6 mois. Fait que c'est celle-là que vous voyez, puis encore là, elle limite, tu sais. Fait que, mais bref, moi, ma plateforme plus facile pour moi, c'est YouTube. Fait que ça va sûrement rester, rester ça. Tu sais, j'ai un peu. Je suis beaucoup avec Max aussi, souvent. Fait que, tu sais, j'ai comme rencontré beaucoup de personnes de la communauté internationale aussi, que je trouve ça le fun. Puis ça faisait longtemps que j'y pensais, fait que je vais peut-être faire aussi une chaîne anglais. Fait que, tu sais, faire les deux. Mais dans tous les cas, ce que je vais montrer... On disparaît pas. On disparaît pas, puis ce que je vais montrer, mettons en anglais, je vais le montrer en français aussi. Donc,
Encore une fois, pitchez-moi pas des rushs parce que c'est en anglais. Mon Patreon va être en français. Je sais, j'avais pas précisé, là, mais... Mais en tout cas, tu sais, je suis là... I don't speak English. Puis tu sais, je pitch des idées de même, en même temps, je suis bien bonne pour dire « je vais faire ça », puis finalement, je suis trop lazy, puis je le fais pas. Fait que, we'll see. On verra comment ça s'enligne, mais pour l'instant, on voulait quand même juste vous mettre ça au début de l'épisode, juste pour vous expliquer un petit peu vers quoi on s'en va pour la suite, mais on disparaît pas, ça va juste être différent. Je sais que vous aimez notre chimie ensemble. Vous allez encore la voir, cette chimie-là, en vrai, là, quand vous allez nous croiser dans des événements. Ben oui. Mais c'est ça, peut-être juste moins souvent en épisode, en podcast. Vidéo, mais tu sais, on se parle quand même à tous les jours. Oui, c'est ça. Okay. On s'aime encore, là. Donc, c'est ça, c'est vraiment juste la vie qui est ainsi. Voilà, fait est-ce qu'on commence? Je regarde mon côté de table, puis je suis juste genre, Mettons, comme vous savez, là, vu que je suis 7 mois enceinte, il y a eu un long moment que j'ai pas tricoté, ou très peu. Je pense que j'ai tricoté, genre, une paire de bas, genre, en 3 mois. C'était comme, j'ai juste arrêté de tricoter complètement. J'étais comme dans un mood de borderline dépressif. Je vous ai pris une photo juste pour... J'en fous le montrer. Attends. Genre le côté à Tania versus mon côté. Mettons que Tania a été beaucoup plus productive. Ça, c'est mon côté. Ça, c'est ton côté. Mais en même temps, sachez que c'est majoritairement des whips parce que finalement, ok. Ça, c'est le côté à Tania. Attends, je vais le. Ouais. Côté de choses à Tania. Ok. Puis côté de choses à Camille. Côté de choses à Camille. En tout cas. Mon Joe Tricot, il a été aussi un peu sous-sous pendant un bon bout de temps, mais c'est, on dirait que c'était juste parce qu'il n'y avait aucun projet qui captait mon intérêt assez longtemps. Fait que je faisais juste castonner. Je travaille sur un peu des affaires. Mm-hmm. Je fais d'autres affaires. Fait que... Écoute. Ma canal a beaucoup d'affaires. J'ai beaucoup d'affaires. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Fait que... On part ça, mon Dieu. Okay. Souvent, c'est pas parce qu'on a plus de chimie. Ah, c'est encore cute! Okay. Est-ce qu'on montre ce qu'on porte? Dis donc. Hey, écoute, il y en a qui vont capoter ce que vous avez reconnu. Tania a enfin fini son Syrah. J'ai enfin fini mon Syrah de Marie-Christine Lévesque. Attends, le beau petit pli, là. Fait en Air de Lune Gotland couleur petit canard. Mm. Et donc, voilà le résultat final. Il est tellement beau. Mon petit drop shoulder ici. Ouais. Fait que je vous en parlerai pas en long et en large, j'ai l'impression que ça fait 3 ans que je vous en parle. Ben en fait, quasiment, c'est quoi, je l'ai castonné en septembre 2020 et on est octobre 2022, je vous en parle. Donc, mais il a été terminé en début 2022, fait que ça fait quand même un bout de temps que je le porte. Et je l'aime... Je l'aime d'amour, puis là j'étais comme, ouais, Camille, elle veut genre... Mais je l'aime vraiment beaucoup. C'est ta chaîne maintenant. Je l'aime vraiment beaucoup, puis je regrette absolument pas, malgré le fait que je l'ai trouvé long à faire, mais sérieux, je le porte beaucoup. Puis la laine, bien qu'elle n'est pas douce, non, comme moi, elle me dérange pas, mais quand j'y touche ici, mettons, juste ici, ça me pique un petit peu. Comme, c'est pas genre intolérable. Mais un petit peu de crunch. Mais je le sens que ça me pique, donc quelqu'un qui serait hyper sensible ici, ça, tu sais, ça va piquer. Mais comme il peut faire chaud, puis je suis bien dedans pareil, puis il peut faire froid, puis je suis bien, ça respire hyper gros, puis c'est léger, ouais, c'est confortable. Genre c'est un de mes projets préférés de tout ce que j'ai jamais tricoté, fait que je le recommande fortement, le patron et la laine. Tout était parfait. Le fit est magnifique. Oui. Puis voilà. Je l'aime. Je l'aime. Julie me regarde genre, c'est ton tour. Ton tour, maman. Oui, ton tour. Moi, je porte mon plus récent chandail fini, qui est mon terrazzo que j'ai fait en laine filée à la main. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans notre dernier épisode, Tania et moi, on était en train de déballer notre calendrier de l'Avent Wolfiend. Donc, c'était comme 12 morceaux de à peu près 25-30 grammes chaque. Puis, fait que j'ai tout filé ça ensemble. J'ai fait un genre de fractal. Là, genre, je peux pas vraiment rentrer dans les détails de comment j'ai splitté ça, là. Mais en gros, chaque moton, je l'ai splitté en 3.
Puis il y en a un que je filais bout à bout, puis l'autre je le splittais en deux, puis l'autre je le splittais en quatre, mais je les alignais pas, je les alignais avec d'autres couleurs. Fait que bref, en tout cas, ça fait un genre de fractal fade, kind of. C'est funky. Puis t'as comme alterné pour faire un espèce de fade, right? Non. Non. T'as juste fait... côté. De un. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand t'es de split, oui. T'avais comme un. T'as planifié oui. De genre. Oui. Ce morceau-là, c'est, mettons, le 1 et 2, puis oui, l'autre, oui. C'est 2 et 3, puis 3 et 4. Oui, c'est ça. Fait suite. Que dans le fond, quand je l'ai filé, tu sais, vu que j'avais 12 morceaux, je me suis dit, je vais faire à peu près 4 échevaux de 80 à 100 grammes. Fait que je me suis dit, je vais séparer tout ça en 4, à peu près en 4 échevaux. Mais mettons, c'est des 3 brins. Fait que mon premier écheveau, mettons, ben c'était comme, mettons, un des brins du premier écheveau. C'était les tiers de morceaux du numéro 1, 2 puis 3. Puis ensuite, le deuxième brin, c'était les sixièmes de morceaux du numéro 2, 3, 4. Fait que, mettons, je faisais. Le premier, c'était 1, 2, 3. Puis le deuxième, c'était 2, 2, 3, 3, 4, 4. Puis le troisième brin, c'était 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5. Ceux qui ont réussi à me suivre là-dedans, vous êtes vraiment hot. Mais toi, pour te suivre, tu les avais notés. Oui, ben je m'étais dit que juste chaque morceau, j'ai splitté en un tiers plus deux sixièmes plus quatre douzièmes. En gros, là, c'est ça que j'ai fait. Puis après, ben je savais qu'il y avait une de mes bobines qui était juste les slow fades, là, fait que ceux qui étaient splittés en juste un tiers. Puis ensuite, j'avais ma bobine intermédiaire qui était mes deux sixièmes. Puis j'avais ma troisième bobine qui était mes quatre douzièmes que je mettais, en tout cas. Puis t'as fait trois plaies? Deux plaies? Oui, trois plaies. Fait que je plaillais tout le temps ces trois brins-là ensemble. Puis ça a été, puis tout ça a été séquencé en quatre écheveaux différents. Bon, en tout cas, si vous avez compris, vous êtes des génies. C'est ça. Puis en plus de ça, j'ai aussi tenu avec, puis mes écheveaux que j'avais là, c'est j'avais comme 400 grammes à peu près, un petit peu moins de 400 grammes. Puis c'est à peu près un support que j'ai obtenu. Puis je l'ai tenu avec un mohair que j'ai trouvé à la petite laine. Donc c'est un mohair que j'avais acheté au caisse de la Vilaine. C'est un Knitting for Olive. Qui est un genre de mauve gris qui s'appelle Plum Clay. Puis ça a comme tout blendé, mon chandail. Ouais. Je vais me lever un petit peu. Mais aussi le fait que tu les spins comme ça fait que bien que ce soit plein de couleurs, ils se mélangent tout bien ensemble, tu sais. Oui, mais c'est ça qui est. Ben c'est vraiment ça qui est. C'est ça le but. Fait que tu sais, si je me. Regardez, hey, c'était le fun à faire là. Tellement beau. Toutes les petites couleurs. Tu l'as tellement fait vite en plus, c'était ton castan de petite laine. Oui, je l'ai castané à la petite laine quand j'ai trouvé le mohair. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est le terrazzo de Petinette, je l'ai pas dit encore. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la taille large pour avoir moins d'aisance que ce qu'elle a recommandé. Parce que je me dis qu'après, je vais peut-être avoir un peu plus d'aisance. Puis j'ai fait des augmentations là, en ligne A sur le côté pour que ça puisse me fitter sur la bédaine. Puis j'ai été long jusqu'à temps que j'avais plus de laine. Parce que j'ai fait les manches en premier, dans le fond. Fait que c'est ça. Fait que là, pour l'instant, je peux encore le porter à 7 mois de bédaine. Fait que voilà. Puis il va être parfait même quand t'auras plus de bédaine, t'sais. Oui, mais c'est ça, je me dis, ligne A, c'est tout le temps beau, là, même bédaine ou pas, là. Fait que voilà, regardez comme c'est beau. Puis t'as fait beaucoup d'augmentation, juste une fois? Ok, t'as fait comme un triangle. Ouais, j'ai fait comme... je pense que j'augmentais 2 mailles de chaque côté. Fait que 4 mailles par an. Ben en fait, 4 mailles à chaque 8 rangs. Ok. Fait que je sais pas si ça finit les hanches à quelle taille, mais ça a fait bien. Ah ouais. J'ai pas vraiment calculé, là. J'ai juste dit, ah, oh, je pense que une par but rang, ça va être correct. Mais on le voit bien sur le côté, ça fait comme ouais, ça un fait beau... Un triangle, genre, ouais. D'augmentation. Ça fait super beau. Je sais pas si on le voit, en tout cas. Fait que c'est ça. Puis... J'aime vraiment le bas, où est-ce qu'il y a comme l'espèce de bleu indigo, là, qui pop, là. Dans les gaufrettes. Dans les gaufrettes. C'est tellement cute. C'est vraiment beau. Puis, je trouve ça le fun parce que, en fait, je vais segouer dans un autre truc. Moi, pour mon calendrier de l'Avent, pendant les fêtes, j'avais commencé autre chose. J'ai pas terminé, mais je le fais un peu de temps en temps. Je voulais explorer de faire un genre de dégradé dans un même écheveau. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous mes morceaux de tout mon calendrier de l'Avent complet. J'étais assis à terre, là. J'ai toutes défaites en morceaux, toutes les couleurs qui se rapprochaient pour faire les dégradés. Puis j'ai fait des sacs comme
Ça c'est les teals. C'est les teals, ça c'est les teals foncés, ça c'est les roses nanana. Puis j'ai fait des écheveaux avec ça, puis tu sais, là, mettons c'est ça hot. C'était les verts. Mais bon, il est comme un peu. C'est en fait, on s'entend, c'est le même calendrier de l'avant. Ouais. C'est sur mon roue antique encore, fait que tout est un peu overspin. Ah, puis ça c'est ton e-spinner? Ouais. Ah, ok. Ouais. Fait que, tu sais. Attends, je vais aller. C'est les mêmes couleurs, puis c'est drôle parce que de proche, je vois ton chandail, puis je le vois que c'est ici, toi. Ce que tu as dans ta manche ici, c'est vraiment ça. Mais tu sais, si ça aurait fait un bien moins beau chandail si tu avais spiné comme moi, mettons. Mais en tout cas. Ouais, ça aurait été plus segmenté les couleurs. C'est ça. Tout ça pour dire que je trouve ça le fun, les différences que ça peut faire une même fibre, tu sais. Même couleur, même fil, mais c'est vraiment différent, effectivement. Incroyable. Puis moi, j'ai fait des trois plaques, ouais. Très beau. Moi aussi. Plus gros un petit peu, là. Mais c'est ça, c'est que je me suis aussi rendu compte, parce que là, en début d'année, j'ai racheté un e-spinner. Puis je me suis rendu compte que j'avais de la misère à faire quelque chose de constant parce que ma roue de mon antique, elle balotte, tu sais. Ouais. C'est pour ça que ça snappait tout le temps. J'étais tout le temps en train d'essayer de compenser, donc c'était un peu plus difficile. Fait que, tu sais, c'est un peu moins à mon goût, mais c'est pas grave, je vais l'utiliser éventuellement sur quelque chose. Je trouve ça quand même très beau. Puis, ben là, il me reste d'autres écheveaux à faire avec les autres morceaux. Là, j'y vais tranquillement, puis je m'amuse, là. J'ai beaucoup dans l'exploration, filage, ces temps-ci. Fait que, tiens, ça fait des petits infos filage en même temps. Est-ce que c'était des parties de mon calendrier de l'avant? Puis ça, ben c'est la même chose que ça. C'est fou. Magie, mais il t'en manque un petit peu. Mais il m'en manquait un petit peu. Fait que c'est ça pour les premiers FO. J'ai une tuque. Excusez. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une tuque. Alors, cette jolie tuque en bulky est faite par... Attends, elle est un peu flou. Comment ça marche? Je vais te faire. Ouais, hein? Je sais pas comment ça marche. Ouais, elle est un peu conne cette caméra-là. Elle fait pas d'autofocus dans les vidéos. Elle fait juste sur les photos. Oh, c'est beau. J'ai même plus la couleur. Écoute, je suis allée à Rhinebeck il y a deux semaines. Puis j'ai acheté cet écheveau de bulky dans le kiosque de Wandering Flock. Puis elle avait une tuque de ce genre-là en démo. Fait que je l'ai juste tricotée tout de suite en arrivant parce que je la trouvais malade. C'est 100% mérino. La texture est tellement folle, douce. Les speckles, ils sont émouvants au bout. Puis j'ai vraiment guigné la patente, là. J'ai fait une tuque en côte 1-1 avec mon écheveau. Puis j'ai fait les décuisses du watch cap de Pearl Soho. Mais eux, c'est de la côte 2-2. Moi, j'ai fait de la côte 1-1. J'ai juste pris leur décuisse puis je les ai fait fitter sur mon gauge. C'est vraiment beau. C'est vraiment squish, juste, là? C'est pas vraiment... J'aime tellement Wandering Flock. Moi aussi. Puis elle est tellement sweet, la fille. Oui. Fait que tu sais, je l'aimais parce que je peux soit plier le rebord ou pas. Mais là, elle est pas bloquée encore. J'espère qu'elle va prendre un peu de... Mais tu sais. Puis sinon, je peux la porter comme ça. J'aimais vraiment full. Fait que tu sais, c'est vraiment une tuque bien ordinaire que je vais pouvoir porter avec presque tout ce que je possède parce que on s'entend. C'est beige avec des speckles roses et bon. Ça fait tout ce que tu possèdes. Fait que ça fait tout ce que je possède. Est-ce que j'ai l'air d'une artiste? T'as vraiment l'air d'une artiste. Et que ça, c'est un autre FO que j'ai en deux couleurs. Je suis avec ton chandail. Je l'avais sorti tantôt. En tout cas, si je le retrouve, je le montrerai. Mais ça, c'est... Dans le fond, c'est un cadeau que j'ai fait. Mon but, c'était d'aller le porter à Noël dernier à mon oncle puis ma tante. Qui portent des bérets. Ce sont des artistes. Ils portent des bérets, puis à chaque année, ils sont super généreux avec nous, puis ils sont super fins. Mais, étant donné qu'ils s'en viennent âgés, je voulais pas aller les voir. On était en confinement pendant les fêtes l'année passée. Puis, ça me tente pas d'envoyer un tricot par la poste, même. Je te vois jamais, puis voilà ton tricot. Fait que je l'ai gardé, puis je vais aller le reporter cette année à Noël. J'ai rien de le regarder, je me dis c'est rendu la taille de mes seins aujourd'hui. J'ai pris 8 pouces de tour de buste en genre 3 mois. J'étais comme, ben, coudonc! Quand même, hein?
Mais ouais, c'est ça. Fait qu'eux autres, ils portent toujours des bérets à l'hiver. Fait que je leur en ai fait chacun un. Celui-là, il est dans... Je sais pas c'est quoi la laine, hein? Je me demande. Je me demande c'est quoi cette laine. Attends, fais-toi un petit matchy, c'est ça. Il est un peu petit pour moi. J'espère qu'il va lui faire... Je vais peut-être en faire un autre juste au cas. Parce que moi, il est petit. Toi, il te fait, hein? Moi, il me fait. Moi, il est petit. Fait que... T'sais, gars, j'arrive pas à me... C'est quoi le nom du patron? C'est de Sari? C'est Sari Norlun, c'est le bis-bis. Fait que j'en ai fait deux. Celle-là, c'est la laine, ben, le restant de mon Syrah, qui est donc la air de lune sur la base Petit de Gotland Petit Canard. Puis j'en ai fait un plus grand, en bleu marin. Puis c'est une laine... C'est une laine que j'avais achetée à la maison tricotée. À un moment donné, ils faisaient... Tu sais, quand ils font les braderies à chaque année, là, genre, ils mettent des affaires en full rabais, là. C'est une laine, je me rappelle pas du tout le nom. Puis, j'ai voulu le feutrer. J'ai jamais été capable de le feutrer. Pourtant, c'est pas superwash, fait que... Je sais pas. Mais ça, ça va le faire à François. C'est sûr, là, tu sais. Lui, il porte ses bérets comme mais ça. Mais je sais, temps, mettons que moi, j'ai déjà essayé de feutrer de la Gilliatt, puis j'ai jamais été capable. Non, c'est ça, hein? Ben, elle a comme légèrement feutré, puis elle est pas super wash, là, la Dererum Natura, mais elle feutre pas. Fait que les deux, c'est le même patron, puis pour vrai, c'est vraiment le fun à faire, puis c'est pas long, là. C'est tellement pas long. Comme, ça a vu que c'est comme moins profond. Ouais, ça prend genre. Mettons deux soirées parce que si tu tricotes, mettons 2-3 heures, là. C'est pas. Il manque juste une palette de couleurs, genre de peinture. Oui! Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que, dans le fond, mon oncle, il est encore artiste. Il est artiste peintre, mais pendant longtemps, c'est lui qui faisait les décors pour Radio-Canada. Fait qu'il peignait des trucs, puis il faisait des statues, puis des trucs. Fait qu'il y a comme plein de décors, là, genre, il y a des toiles dans, genre, l'auberge du chien noir, que c'était lui qui les avait faites, ou genre des affaires, il y avait Imini Majimo qui jouait dans le temps quand j'étais kid, c'était tout lui qui faisait ça, en tout cas, bref. Mais il est full artiste, fait que ça me fait rire que tu dis ça, puis... Lui, il porte toujours des bérets comme ça. Puis habite le plateau Mont-Royal pour être sûr d'être... d'être maximum artiste. Maximum artiste stéréotype, mais j'aime beaucoup. Je les aime beaucoup, donc j'ai hâte d'aller leur donner ça cette année à Noël. Nice! Donc le bis-bis de Sari Norlund. Si je continue dans les accessoires, j'ai mon Shifty. The Shift Call. Ouais, le Shift, celui-là, le Shifty, c'est... Ouais, c'est le chandail. Ouais. Fait que ça, c'est... Oui, c'est la tresse de Paul. Ouais. Fait que ça, c'est... Je l'ai faite en toute de la laine filée à la main. Donc là-dedans, le plus foncé que vous voyez en haut, c'est un bat rose gold fibers. J'allais dire, je reconnais ça, ces couleurs-là. Que j'ai filé. Puis le petit gris, ici, c'était, je sais pas si vous vous rappelez, là, ça doit être un épisode il y a genre 2 ans. J'avais des Rolags, genre un petit peu gris pêle avec du brun dedans. C'était genre Pearl Fiber, puis Merino, puis tu sais, on se demandait c'était quoi Pearl Fiber. Ouais. Puis je sais toujours, ben c'est genre une affaire avec de la pêle soufflée dessus. J'en ai d'ailleurs acheté à Rhinebeck, je les ai pas apportées. Je pense que c'est comme... autre chose, mais... C'est comme du synthétique que tu pitches de la perle dessus, je pense. OK. Puis, en tout cas, j'avais googlé il y a hélas 2 ans. Ben oui, mais c'est beau, c'est shiny, puis c'est le fun à filer. Puis, la troisième couleur ici, le petit pêche, c'est la couleur pêche blanche en tresse BFL non traitée de Urso. As huge, les couleurs de Paul sont incroyables. Always. Ça fait que le voici. C'est vraiment beau. Je me suis dit, je vais le faire parce que moi, dans la vie, je porte pas ça des cols. Fait que, tu sais, je me suis dit, pourquoi pas faire un col dans ce temps-là? Quand t'en portes pas, quand t'en portes pas. Mais je me suis dit, j'allais essayer d'en porter. Puis, j'allais quand même porter genre 2 fois depuis que je l'ai fini. Mais cette taille-là, ça fait comme un peu un châle, c'est plus rapproché. Ça, je le porterais. Non plus, oui, mais parce que le sien, il était très baveux, mais moi, je me suis arrangée pour avoir une gauge plus petite pour pas qu'il bave. C'est ça. Ça, j'aime parce ça. Parce que le sien, il était genre très, très ouvert. Là. En même temps, tu sais, je me disais, ah, j'en porte pas vraiment des cols, mais j'ai fait le Volcano Trail
de Maxime, puis je l'ai porté tout l'hiver passé. Pour fait elle. Que tu portes des cols. Fait que finalement, je le porte comme... Fait que tu portes mais, des cols. Mais je le porte s'il est pas baveux, justement. Oui, c'est ça. Mais moi aussi, des cols baveux, là, c'est comme... Puis là, c'est comme un col que tu fais, dans le fond, c'est à plat, là. Fait que c'est genre un... C'est comme une forme de maison. Je sais pas comment dire. Mais ouais, c'est genre... c'est pas un trapèze, hein, mais c'est une forme de maison. Puis après, tu coules les deux côtés. Ah, ok, parce qu'elle est carrée en bas, puis après ça en triangle. Ben, c'est qu'elle fait en diagonale, là, mais oui. Ouais, ouais. Tu sais, si tu fais juste comme si tu te recules, ça a l'air d'une maison. Genre. C'est un pentagone, mais pentagone, genre avec angle droit à la base. C'est pas plus clair. En tout cas, il y a cinq, c'est une forme à cinq côtés, puis tu coules les deux côtés en arrière. Fait que voilà pour ça. Mais c'était vraiment le fun à faire, fait que de shift, quand je l'ai acheté à sa vente de fête, là. Ouais, moi aussi, j'en ai acheté. 39 ans, si, elle a l'air de genre 24. Ah, gosse! En tout cas, aménage. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Next! Ouais, j'ai l'impression qu'on fait un marathon, genre. Ben, c'est correct. On parle vite, là, on est genre... Tu sais, c'est parce que ça fait longtemps aussi, fait que des fois, on sait plus qu'est-ce qu'on avait à dire dessus. On fait ce qu'on peut. Ah, ils sont vraiment beaux. Des chaussettes! J'aime vraiment les couleurs. Ça, c'est le patron Cottage de Marie-Christine Lévesque. Je l'avais fait en test, pour qui est dans son recueil, qui est maintenant sorti. Champêtre, c'est ça? Je pense que oui. Puis la laine, c'est de la turbo-rayante, des arts textiles du Témiscouata. C'était son... Je sais. Ça m'a tellement fait de la peine quand je dis ça. Mais... Si on veut pas encore, on nous dise on va pas dire dommage. On dira pas dommage. On va dire Christine. C'est la vie, c'est correct. C'est le droit de passer à une autre étape. C'est ça. Mais, tout ça pour dire que, c'est ça, c'était son kit de Noël l'année passée, cerise au marasquin. Que j'ai vraiment trippé. J'aime ça quand les kits de Noël sont pas, genre, obviously Noël. Genre, ouais, pas too much. Pas too much. Tu sais, je m'attendais, ça s'appelait cerise au marasquin, je veux dire, je m'attendais qu'il y ait du rouge, là. Mm-hmm. Mais comme, le vert, il est fun, pis... Pis ça aussi, c'est dans le kit. Oui. Ok, c'est ça. Pis, si vous vous demandez combien... de laine, ça l'a pris, là. Ça m'a pris exactement le kit pour faire ça. Il me restait ça de la contrastante à la fin. Puis, puis pour les rayures, je pense qu'il y en a un des deux bas qui est au bout des orteils, il y a un peu plus de vert parce que genre j'en ai manqué ou... En tout cas, je pense que je suis arrivée vraiment flush pour les rayures. Mais pour la contrastante, il me restait genre ça. On dirait qu'il y en a un qui est plus court que l'autre. Mm-hmm. De genre deux rangs. C'est ça, j'en ai manqué juste un petit peu. Ben, je voulais vraiment aller jusqu'au bout. J'aime pas ça avoir des restants de mais t'as aussi des grands pieds, là. J'ai aussi des grands pieds, mais tu sais, j'aime pas ça des restants d'autorayantes. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu fais des chandails de restants. Ouais, ouais. Je comprends. C'est, des fois, c'est pas tout le temps facile ça, à gérer. Ça fait des bas longs, puis je trouve ça cool parce que la dentelle... Tu sais, j'ai mes petits bottillons d'automne, puis la dentelle, elle sort au-dessus, puis je trouve ça vraiment cute. C'est vraiment très beau. J'aime vraiment ça. Ah, Marie-Christine. Ben oui, comme c'est d'habitude. C'est si beau. Fait que... Moi aussi, je vais montrer des bas. Des bas. Ah, mais moi, c'est... Ah non, moi, c'est des bas whip. Moi aussi, j'ai des bas whip tantôt. Tantôt. OK. Veux-tu enchaîner avec un autre info, vu que t'en as un petit bolac? Celle-là, j'ai même pas rentré les fils, puis il est même pas bloqué, ça fait une éternité qu'il est terminé. C'est le Venezia de Rory Locatelli. Ah, oh, tu l'as fait avec la de... C'est quoi ton nom? La Shirley Lasby. J'avais vu que Espace Rico avait fait un char avec ça. J'avais peut-être moins le modèle, mais je trouvais l'idée vraiment magnifique. Puis ça faisait longtemps que je voulais faire ce char. Donc, je l'ai fait. Ça se fait super vite, c'est vraiment nice à faire. Puis, mais je l'ai pas encore porté parce que je l'ai pas encore bloqué. Puis là, il est tout. Dans le fond, t'as pris. La Shirley Bryan, c'est deux mini échevaux pareils pour faire des bas. Oui. Exactement. Puis, moi, pour accommoder le fait que je voulais pas qu'il m'en reste beaucoup, j'ai agrandi la portion ici. J'en ai fait plus. C'est ça. Tu t'es rendu jusqu'à la fin de ton écheveau. Oui. Puis après, t'as rapetissé avec ton deuxième écheveau. Oui, tout à fait. En faisant concorder les couleurs pour repartir de l'autre sens. Ouais. La seule affaire, c'est que j'aurais aimé mieux qu'il soit pâle dans le milieu, puis le bleu dans les pointes. Puis j'ai vraiment hésité de savoir de quel bord je partais. Puis dans toutes les photos de cette laine-là, qui est d'ailleurs la couleur Aslan,
comme dans Narnia, le lion. Mm-hmm. Puis, sur tous les écheveaux que j'ai vus en photo, il y avait du mauve assez foncé. Puis là, j'étais comme, je veux pas les bouts mauve foncé. Fait que je vais le mettre dans le milieu. Il y a pas de mauve dans le mien. Ah! Il y a juste du bleu. J'aurais aimé ça, des petites pointes bleues. Mais il y a le mauve. Ouais, mais tu sais. Fait que... Non, mais le mauve était pas à une extrémité, non? Non, c'est ça. Fait qu'en tout cas, c'est pas grave, là. Je le recommencerai pas pour ça. Je le trouve très beau pareil. Mais l'avoir mieux catché comment qu'il allait faire, j'aurais probablement fait dans l'autre sens. Et ça, c'est le Venezia de Jorge Locatelli. Oui! Puis c'est un patron qu'elle avait fait, je pense, pour avoir un écheveau. C'était oui. comme un single skein projet. Ouais, exact. Puis, mais toi, tu l'as allongé parce que ta laine te permettait de l'allonger un petit peu. Oui, tout à fait. Assez. Tout à fait. Mais je pense que... Hot. Il est quand même grand, puis on dirait oui. que c'est comme... Normalement, des one skein shawls, c'est peut-être quelque chose que je mettrais. Tu sais, c'est comme pour le printemps, là. Puis un coup qui va être bloqué, là. Ouais, il va prendre beaucoup d'expansion. Il va prendre beaucoup d'expansion, puis il va être parfait pour le printemps avec une petite veste de jeans, là. J'aime ça. J'aime vraiment beaucoup. Pour vrai, il est vraiment beau. Je le recommande. Puis il est fun à faire, tu sais. C'est des twisted ribs avec un petit peu de dentelle, mais tu sais, ça a un bon rythme. Puis comme c'est pas des très longs rangs. Puis c'est des twisted juste sur l'endroit aussi. Oui, là. C'est ça. Puis comme c'est pas des très très longs rangs, mais ça se fait super bien. Pour c'est vrai, quoi, c'est 1-3 genre 1-2 Je me rappelle pas, mais ouais. C'est ça. Une twist, deux. Puis tu sais, moi, je pense que ma gauge est un peu plus lousse que la sienne. Mais ça me va, là. J'aime le c'est vraiment rendu. Beau. Wow. Fait que, ouais. Incroyable. Puis là, j'en ai deux autres, je pense, des Shirley Bryan. J'ai quasiment le goût d'en faire une chose de mais d'autres oui. couleurs, genre. Mais oui. J'aime vraiment le concept tout dégradé. Fait que merci, Espace Tricot, pour cette idée. Oui. Parce que... C'est très, très beau. J'aime beaucoup. Je l'ai faite à cause de ça. Parlant de châle, j'ai celui-ci. Qui se trouve à être un design. Ah oui, c'est vrai! C'est lui, tu te rappelles? Mais oui, maintenant je m'en rappelle, il est vraiment beau. Fait que, à Twist, j'ai vu ces deux laines. Je vous les montre parce qu'il m'en reste plus. Je vous les montre dans le char. Fait que j'ai deux couleurs, dans le fond. J'ai la couleur pâle ici qui était salt et la couleur en arrière, l'espèce de bleu-gris speckle avec du rose. C'est ami-licorne. C'est comme un mélange de licorne et de petite amie. Je pense que c'est pour ça qu'elle l'appelait ami-licorne. Puis je les ai vus ensemble au kiosque de Urso. Puis je me suis dit, ah, ça, brioche. Fait que voilà. Fait que dès que je suis revenue de tout, je me suis partie un châle en brioche. Puis ce que j'ai fait pour la forme, dans le fond, je voulais un châle triangle, mais pas trop, trop baveux. Fait que je voulais avoir un petit peu plus de longueur au niveau des pointes. Que de profondeur. Donc j'ai fait un jeu d'augmentation là, pour que ben, c'est ça, ben, pour que ça soit plus que ce soit pas un croissant parce que c'est quand même un triangle là, mais qu'un triangle pas trop profond. Fait que voilà, puis je me suis dit ben des highlights, des petites des petits jetés là dans la brioche, c'est le fun. Ouais. Donc je me suis comme j'aime ça le fait des petits trous détail de la forme que ça fait dans le milieu. Ouais, hein. Ouais. Moi aussi je trouve ça cute. Puis, j'ai fait un petit rabat picot, comme ça, avec des belles petites pattes. Fait que c'est ça. Fait que celui-là, il est présentement en test, mais en fait, le test est pas mal fini, je dirais. Puis, sérieux, la petite polaire de Urso, c'est de la laine comme qui est retordue très lousse. Donc c'est vraiment très aéré comme laine là. Je pense qu'elle a mis c'est un sport. Moi je trouve quand la tricotant, je trouve que ça avait l'air d'un diqué, tu sais, parce que mais pourtant quand tu regardes le métrage, si tu regardes le métrage par rapport au poids, tu vas dire c'est un fingering. Mais elle est tellement aérée la laine qu'elle a l'air d'un déca. Elle est lofty. C'est ça. C'est un peu comme la Rose Garden, c'est lace mais finalement. Oui, c'est ça. Une fois que tu la laves, t'es comme ta barouette, c'est gros. Fait que j'aime beaucoup, beaucoup cette laine. Elle est super douce, sans être lisse. Comme un doux spongieux, ouais. Tu sais. Ça pique pas, parce que c'est encore là. Ça va sûrement piquer quelqu'un, là. Ben, mais c'est moi, ça me pique pas. Puis c'est comme... un peu comme la taiga de Bleu Poussard, tu sais. Comme t'as ouais. le fil spongieux sans le piquant. Ouais. En tout cas.
Fait que j'adore vraiment beaucoup cette laine. Fait que le patron devrait sortir quand même bientôt, là. Il pourrait sortir n'importe quand, là. C'est juste que j'ai pas fait de photos. Fait que c'est juste ça qui me manque, là, parce que le test est pas mal fait. Puis, c'est ça. Fait que ça va être un design que ça faisait longtemps que j'avais pas rien publié. Fait que mon dernier, je pense, c'était en février. Donc c'est ça. Fait que, puis aussi, je dois dire, pour celui-là, tu sais, la... j'ai pris un écheveau de chaque couleur pour le faire, mais il me restait là, genre 4 grammes là, de chaque couleur à la fin. Il me restait quasiment rien. Fait que, autant où ce que dans un châle, l'échantillon, c'est pas important parce que ça va juste changer la grandeur de ton châle, c'est important si tu veux pas manquer de laine. Tu sais, le moindrement que ton échantillon est pas exactement comme le mien puis qu'il est plus lousse, tu vas manquer de laine. Donc, ben, en même temps, tu peux aussi juste le finir plus tôt, là. Mais tu sais, si tu veux que la dernière section, tu sais, que la profondeur de la dernière section après les soit égale à l'autre d'avant, ben c'est ça, faut vraiment être sur l'échantillon. Mais sinon, rien ne nous empêche de juste rabattre plus tôt, là, ça c'est vraiment pas un problème. Ou d'acheter une canne ou d'acheter un skein de plus. Puis c'est ça, puis tu sais, moi je l'ai fait avec un écheveau de chaque, mais tu sais, si vous prenez un écheveau de diquet de chaque, ça marchera pas parce que d'habitude un écheveau de diquet c'est genre 200 quelques mètres, mais ceux-là, c'était comme des 350 mètres, tu sais, fait que t'as vraiment besoin du métrage complet. Puis honnêtement, il se fera en fingering aussi, tu sais, avec deux échevaux de fingering, il va juste être plus petit, mais ça se ferait aussi en fingering, là, juste deux échevaux uniques de votre stache. Fait que c'est pas mal ça pour ça, fait qu'il va sortir à un moment donné, là, dès que j'ai des photos, honnêtement, je vais le publier. Il est vraiment beau. J'aime beaucoup. Puis, ça me fait penser, je sais pas si on avait déjà parlé de ça, sûrement, mais je me rends compte de plus en plus. Parce que tu parlais que c'était aéré, puis je me rends compte, tu sais, je disais tout le temps, genre, je porte pas mes chandails parce qu'ils sont trop chauds, j'ai tout le temps chaud, je sue. Ben, je me suis rendu compte que c'est ce qui est en superwash. Ben oui, t'as un côté plastique. Comme, plus que je tricote avec du non superwash, plus que je peux tout porter mes tricots, même quand il fait. Tu sais, l'autre fois à Rhinebeck, là, il faisait 20, hein, j'avais mon chandail en recollect de. Farmer's Daughter, puis j'avais pas chaud, là. J'étais super bien. Puis non seulement juste du non-superwash, mais en plus, si c'est un woolen spun, oui, c'était au lieu d'être un worsted spun, c'est plus léger, il y a plus d'air, fait que t'as plus de régulation de température. C'est the way to go pour moi. Way to go! Si tu sues beaucoup, c'est une bonne façon de faire des chandails. Next! Cette camisole que j'ai faite au printemps, donc que j'ai faite en filet à la main. C'était deux tresses de Wolfing qui étaient la couleur vintage et la couleur smoke and lace que j'ai mis ensemble. Ce qui m'a fait un genre de 200 quelques grammes. Qui c'est pas de balai? Non. Non, c'était vintage puis smoke and lace. Ok. Donc le outline. Tank de Jessie May. J'avais pas vraiment fourni. Tu sais, il est comme plus decay que fingering, je pense. Fait que j'ai essayé de l'ouigner un peu pour que ça fasse avec le peu de laine que j'avais. Je le trouve un peu serré sur moi, mais je le porte pareil. Écoute, ça me va. Puis il m'en avait manqué juste un petit peu, puis Camille avait un restant de sa spun qui restait, fait que ça m'a permis de le finir. C'est vrai, j'avais oublié. Ah oui, c'était celle que j'avais mis dans mon. Ah, oh, c'était-tu, sais, j'avais mis dans mon cotton grass en urso, en boucle. Oui, oui, oui. Urso boucle. Ouais, je pense que c'est ça. C'est ça. Puis il y avait. C'était un... la patch quilt. Ouais, c'est ça. Wolfing aussi. Qui ressemble vraiment beaucoup, donc. Ça l'a bien fait, là. Il m'en manquait pas tant. C'est, je pense que c'est les couleurs foncées des bretelles. Ok, c'est vraiment juste en bretelles. Ben, c'est ça, ici. Là. Ok, ici aussi. Ouais. Puis. Parce que moi, mais sinon, c'est un 3-ply, c'est pour ça que je me demandais. Je sais plus. En tout cas, ça blendait bien. Fait que. C'est ça. Coup d'œil. Tu sais, j'avais juste 200 grammes, là. Fait que, tu sais, pour faire la camisole, je l'ai stretch un peu, mais. Ça me va. Je l'aime bien. T'es très beau. C'est tellement le fun de tricoter de la filet main, là. Oui. Et comme pas... chaque maille, c'est qui? C'est Marina qui m'a écrit ça. Chaque maille est un party. Oui, c'est vraiment comme, ça. Yes, party. C'est vraiment toutes ça. Toutes les mailles, t'es genre, oh celle-là. Oh, puis, celle-là. Tu sais, comme, tu observes comment tu l'as filé, puis là, t'es comme, ah, la prochaine fois, j'essaierai peut-être de la faire. C'est vraiment, c'est vraiment cool.
Puis, ah oui, tu sais, le outline, ce qui fait le motif dans le milieu, c'est des mailles échappées. Puis, elle te fait mettre des marqueurs pour pas perdre son coup, parce qu'elle te fait faire un truc pour que dans le caston, ta maille échappée, ouais, elle ne dépasse pas. Ça descend jusqu'à un yarn over, autrement. Oui, ouais. Sauf que moi, à un moment donné, j'ai échappé. Pas la bonne. Mais ben, j'ai échappé mes marqueurs, puis là, je les ai remis, puis je pensais les enfants au bon place, mais je les avais décalés. Fait que j'ai tout droppé ma maille, puis elle n'était pas à bonne place. Mais non, je l'ai juste cousu dans le yarn over. Okay. Ouais, pour pas qu'elle descende jusqu'en bas. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Mais pas grave. Tu sais, ma laine n'est pas, très régulière, mais c'est pas grave. J'aime le petit look que ça donne. Ouais, moi j'aime beaucoup. Ça me va bien même, je devrais la porter en barbe. Oui, pourquoi pas? Je vous montre aussi mon Weekender Light en filet main. C'est si beau! Oui! En fait, ça c'est le devant. Tu files tellement comme constant. Ça là, j'ai commencé à filer ça en 2021, je pense en janvier. Fait que c'était comme mon but, c'était qu'au courant de l'année, je file ma quantité chandail pour que l'année suivante, je tricote un chandail complet en filet main. Je m'étais filé un light fingering avec, c'est un tout-ply, fait que deux brins. Et c'était du rambouillet de Three Waters Farm, la couleur Second Dark. C'est comme un genre de kaki noir gris avec du mauve dedans. C'est magnifique. Comme, c'est vraiment le fun là, comme couleur. Là. Ça a l'air blasté, c'est plus foncé que ça. Mais j'ai mis une photo sur Instagram. La photo sur Instagram, les couleurs sont pas mal la bonne affaire. Fait que voilà pour ça. Et ça, ben c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun à faire, mais tu sais, j'étais pas sur l'échantillon du patron parce que j'avais un plus petit échantillon. Fait que j'ai comme fait deux tailles plus grandes pour obtenir ma taille avant d'être enceinte. Fait que là, je peux comme putain le mettre. Mm. Mais... Puis à cause que j'avais pas le bon échantillon aussi, il a fallu que je refasse le col parce qu'il était vraiment trop serré, comme ma tête passait à peine, mais j'étais comme étranglée. Puis j'avais déjà comme rentré mes fils, fait qu'il a comme fallu que je coupe, puis que je referme comme il faut. Mais tu sais, j'ai comme passé un fil dans mes mailles ouvertes, puis j'ai comme pas tenté de quoi, puis ben ça fait la job. Donc c'est ça, Weekend Light de Andrea Murray. Puis là en plus après, elle a fait un knit along, spin it to knit it de Weekender Light. Fait que là, il y a plein de gens qui font. C'est... Ben, je dis non, c'est pas grâce à moi, on s'entend. Là. Non. Mais dans le sens, je me disais genre, j'ai eu l'idée avant, je suis hot. Mais là, il y a plein de gens qui filent pour se faire un Weekender Light en ce moment dans le knit along de Andrea Murray. Puis moi, ben, j'ai fini ce tuyau. Fait que. J'ai fait. Puis qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Mais c'était super le fun. J'avais 12 onces de fibres. Fait que mettons 350 grammes à peu près. Il m'en est resté une petite boulette. J'ai fait une oslo avec ce qui m'a resté, que j'ai mis avec un suri qui me restait aussi. Puis ça me fait une belle oslo. Puis ben, c'est pas mal ça. C'était super le fun à faire juste parce que c'était du filimé. Puis je l'ai quand même pas mal porté jusqu'à ce que ma bédaine ne le permette plus. Il est vraiment beau. Fait que je l'ai fini genre en mars ou en février. Là. Fait que... J'ai le truc qui flash, mais on peut continuer pareil jusqu'à temps que ça coupe. Puis je vais aller chercher l'autre. Next! J'ai un leaf top que j'ai fait. Ah, il est beau! En bleu de même! Wow! Je l'aime vraiment beaucoup. Oh my god! Donc, ce patron, je tiens à dire, n'est pas du tout inclusif. Du tout inclusif. Puis, ça me fait chier de faire des trucs non inclusifs, mais là, je le voulais, fait que je l'ai fait. Pour qu'il me fasse, j'ai agrandi la gauge un petit peu, puis j'ai ajouté des mailles sous les bras. J'ai fait un demi-repeat de plus pour que quand je le couds, ça me fasse un repeat de plus de chaque bord. Mmh, nice. Fait que tu as agrandi la gauge plus tu as rajouté de la largeur. Il me fait super bien. Ah, il est beau. Tout est parfait. La seule affaire, ce que j'avais pas pensé, c'est que en grandissant la gauge, les boutonnières sont beaucoup trop molles. Tout est trop mou, fait que les boutons ne tiennent pas fermés.
Parce que mes boutons sont quand même lourds. Parce que mes trous de boutons sont grands. Parce que mes trous de boutons sont grands. Fait qu'il m'en reste en masse. Il va falloir que je gère là, qu'est-ce que je fais. Mais je pensais, j'ai pas besoin de défaire les boutons. Fait que je pense que je vais juste le coudre. Ouais, tu pourrais juste coudre sans le laisser fermer. Hein, ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça qui va arriver. Il est tellement beau. Mais c'est genre la croix que je voulais. Je voulais un bleu, tu sais, navy électrique un peu, là. C'est quoi la laine? C'est, We Are Knitter. C'est genre coton ou something, parce que c'est vraiment... C'est coton. C'est vraiment nice, le feeling. C'est en coton. C'est-tu la We Are Knitters ou la Wool and the Gang? J'ai mélangé tout le temps eux autres. Ouais, mon style. Les deux, c'est genre wool quelque chose avec des grosses lettres. C'est ça. Mais celui que j'avais utilisé pour prendre, pour faire mon Freya, là, de... C'est ça, Freya? C'est celui qu'on avait fait pareil, là, de... Irene Lynn? Ah, le... Non, c'est genre quelque chose, Summer Top. Le... Oui, c'est pas Freya. Faye. Le Faye. Oui, c'est ça. Faye, Summer Top. Fait que c'est pas eux, c'est l'autre. Non, je pense que c'est Will and the Gang, celle-là. J'ai checké. C'est We Are Knitters. C'est la 100% pima coton dans la couleur navy. Vraiment. Mais j'aime ça du coton tricoté lousse. C'est ouais, vraiment nice. J'aime vraiment ça. Puis je l'ai porté plusieurs fois. Puis à part les boutons qui tiennent pas, là, tout le reste, genre, fait que je vais gérer ça. Puis je vais le porter tout l'été, c'est clair. Je savais déjà que j'aimais les fits d'été, mais je le sais encore plus. Tu sais encore plus. J'aime vraiment, vraiment les fêtes d'été. Donc, attends, j'ai un autre top d'été. Ah, shoot! La camisole from hell. Oui. OK. Test knit. OK. J'ai même pas mis sur Ravelry parce que j'essaie de... D'être poli. OK. J'aime pas ça, faire un test knit puis d'avoir... pas grand-chose de positif à dire. Le design est magnifique, OK? C'est le champagne top de 100 acres. 100 acres, wow. Le problème avec ça, c'est que sur son body de extra small, là, il est parfait. Mais ses calculs pour un body de extra 2X large, c'est non. Impossible. Comme, elle demande zéro ease. Puis, pour mon buste de 48 pouces, moi, j'ai fait ce qu'elle disait pour un buste de 50. Donc, techniquement, j'ai 2 pouces de ease. Là, je suis en négative ease. J'ai son gauge. J'ai fait 2 pouces de long de plus et ça me couvre même pas les seins. Fait qu'elle fait juste pas en plus. Ça, j'avais pas compris. Elle fait juste pas. Fait que là, je suis comme un peu fâchée. Quand tu mesures ton gauge sur le truc, ça marche. Oui. Hmm. Fait que là, c'est peut-être parce qu'elle a oublié qu'elle était en diagonale, genre. Ben moi, je pense que oui, parce que en arrière, parce qu'elle fait faire des short rows, tu sais, parce qu'en avant, il est crop, puis là, en arrière, elle fait faire des short rows pour que ça soit moins crop. Ça le fait. Mm-hmm. Ah, puis en arrière, il m'arrive à la taille. Mais en avant, à cause de ma poitrine de 50 ici, pouces, genre. Ça me fait des boobs ici, puis le flotteur, il m'arrive à moitié des seins. Mm. Comme... Et le petit volant, là, ça, qu'il fallait que tu... Déjà, juste vous dire, le volant, OK, seul. Ça, c'est ton cast-on. Et c'est non ton pine-off. Puis seul, c'est 1,5 pouces, OK? 1,5 pouces, il y a 65 grammes de laine là-dedans. Mais ce qui est un peu le principe d'un volant. Oui, sauf qu'elle fait en double knitting. Est-ce que c'était nécessaire? Absolument pas. Comme ça aurait pas vraiment changé. Mais elle l'a fait pour pas que ça roule. Je le sais, mais j'en ai vu plein d'autres chandails qui ont des flutters puis qui roulent pas, là. Puis son montage, c'était quoi? C'était un tube blanc? Non, c'était quoi? C'était le bordel. C'était un genre de tubulaire, mais trafiqué. En tout cas, j'ai fini par faire un Julie's Magic Cast-On que j'ai joint en rond. Et j'ai tricoté comme les deux premiers rangs, puis après ça, je les ai joints en rond. C'est pas que c'est pas un bon design. C'est... Il est très beau. Un très beau design, mais qui est fait par une petite personne, puis je pense que les calculs auraient pu être mieux faits, tiens, je veux dire. Puis, mais j'apprécie l'effort qu'elle le fait, tu sais.
Puis le volant, je veux dire, il m'a fait chier, mais ça, c'est moi, là. Puis, fait que je sais pas, il fait pas, est-ce que je défais juste le haut pour l'allonger, puis refaire, parce qu'en tant que tel, le triangle, il fait, tu sais, c'est juste qu'il est vraiment pas assez long. Mm. Fait que j'ai suffisamment de laine pour le détricoter, ou tu fais des très longues bretelles, puis ça couvre tes nippes. Ouais, genre, mais tu sais, que, mais je suis un peu... T'es un peu à bout de ce projet. Je suis vraiment à bout de ce projet-là, puis c'est parce que, comment je veux dire, il est vraiment beau, mais il est over-designed. Mm. Tu sais, comme, tout est trop long puis trop compliqué pour arriver à un résultat qui aurait pu être moins long et moins complexe. Puis, tu sais, elle disait que c'est un bon projet débutant, juste à cause du cast-on, c'est pas vrai. Juste à cause du cast-on, je peux pas dire si le débutant fait le. Honnêtement, non. Mais le projet, il est super beau, tu sais. Mm-hmm. Le design, il est magnifique. Fait que je vais attendre de me défâcher. C'est bon. Puis de plus être autant à bout du projet, puis je vais y réfléchir. Il me reste suffisamment de laine pour être capable pour l'allonger. La laine, j'ai pas le nom avec moi. Je l'ai achetée. Elle est sur Instagram, je l'ai achetée quand j'ai fait mon road trip aux États cet été. Je l'ai achetée chez Fiberspace. C'est rare d'où? C'est Mérino soie, je crois. Puis c'était une lace que j'ai doublée. Elle est magnifique à tricoter, pour vrai, ouais, j'aime vraiment. La seule affaire, c'est que parce que c'est lace, c'est facile de faire des petits nœuds, puis elle se défaisait souvent, fait que j'ai beaucoup de fil à rentrer, là. Mais tu sais, je sais que je vais l'aimer, puis je vais la porter, fait que... Au début, je me disais, je vais la donner à ma soeur, mais non, je pense que je vais détricoter, de reprendre... Tu sais, un coup que t'as fini le body, les morceaux, c'est pas long, tu sais, fait que... Mais c'est long quand t'es fâchée. C'est long quand t'es fâchée, puis j'étais plus capable. Ça m'a pris genre un mois faire la bordure, puis j'étais comme... Mm-hmm. Je sacrais, mais... Si t'aimes ça, faire juste du jersey, tu sais, ça va, là. Ça se fait. Ça se fait. C'est juste... Je pense que j'étais pas la bonne personne pour ce projet-là. J'étais pas la bonne tricoteuse pour ce projet-là, puis je veux pas... passer mon, genre, ma déception, puis je suis fâchée sur ma fiche à Valerie parce que je sais que c'est aussi moi le problème. Fait que, je me suis juste dit, je vais faire la mauvaise testeur. J'y ai écrit, j'étais comme, mais je l'ai pas fini, je suis désolée. C'était plus long que prévu, plastique. Mais comme, je sais qu'un coup qui va être fait, puis qui va me faire, je vais être contente de l'avoir. Puis, je me sens mal de dire tout ça parce que ça va peut-être décourager bien du monde à tricoter. Sachez juste que ça, à tricoter, c'est aussi long que ça. comme, sachez-le, c'est tout. Mais c'est un très beau projet, puis je te dirais que dans les testeurs, j'ai vu personne plus grand que large. J'ai vu aucune photo plus grand que large. Ah, portée. Fait que j'ai l'impression que jusqu'à large, le fit fait, puis en ça, haut, ça marche plus. C'est ça. Bref, mais je vais y écrire là, quand je vais me défâcher. Ceci était mon projet du temps des fêtes que j'ai fait là, à Noël dernier. Je trouvais que c'était super festif là, comme couleur. Donc ça, c'est le Field Day Cardigan de Ozeta, qui a un style, je dirais, quand même similaire à Petite Knit, là, très tu sais, des basics, très simple et très bien construit, là, à mon avis, mais plus inclusif. Ben, remarque, maintenant, Petite Knit est rendu inclusif. C'est vraiment mieux. Mais Zeta est inclusive de nature. Puis, elle est super fine, en plus, là, elle commande sur toutes les affaires de tout le monde. Je suis comme, mon Dieu, t'es dévouée. Donc, je l'ai faite en urso nu et lune ensemble. Donc, ma urso nu, qui est le BFL non traité, c'est la couleur latte, comme le petit pâle en background, qui est un petit rose brun, et la couleur lune, c'est la Autoneva, qui est un mohair genre rose orangé. Il sort vraiment plus orange. Il sort vraiment orange là-dessus. Dans la vraie vie, il est plus rose, là. Ouais, il est comme rose gold, en fait, là. Ouais, rose gold, pas mal. Puis j'ai trouvé ces petits boutons qui fit tellement bien.
C'est magnifique comment ça fait. Au coin des Trouvailles, à Belleuil, c'est la petite boutique de craft, là. Puis vraiment beau. Ils ont vraiment pas beaucoup de choix, mais à chaque fois que j'y vais, je trouve tout le temps la bonne affaire, malgré tout, même s'il y a comme très peu de choix, en tout cas. Fait que j'étais vraiment impressionnée. Il est vraiment le fun à faire. C'est le fun aussi, la pâte de boutonnage que tu fais là, au fur et à mesure. Les patrons de Ozeta sont vraiment clairs. Je trouve qu'ils sont plus faciles à suivre que ceux de Petite Nut. Remarquez-moi, j'aime beaucoup ceux de Petite Nut parce que je trouve qu'elle ne s'éternise pas. Où est-ce qu'il faut pas s'éterniser, mais je sais qu'il y en a qui, au contraire, trouvent que ça, c'est pas assez clair vu qu'elle s'éternise pas. Elle l'explique un petit peu plus. Donc, voilà. Fait que vraiment très satisfaite. Je le porte encore ouvert, bien évidemment. Mais c'est tellement le fun. Le combo nu puis lune, là. C'est vraiment beau. C'est incroyable. Fait qu'il était super le fun à faire. Vraiment contente de l'avoir fini. Mais je l'ai fini. C'était mon dernier projet fini de 2021, dans le fond. Fait que voilà pour ça. Magnifique. Continue. Parlant de choses frustrantes, mais ça c'est vraiment 100% moi. C'est moi qui ai essayé de faire quelque chose puis qui s'est rendu compte que c'est pas de même, ça marche. J'avais dit que... je vous avais dit que j'avais acheté une machine à tricoter. Dans le but de faire... Les corps. De tes yokes. De mes yokes. Puis là, ça tricote... ma machine à tricoter est faite pour la plus grosse laine. Puis j'ai testé les gauges, puis j'étais comme ok, je peux faire de la sport ou à peu près avec ça. Donc j'ai commencé le 6 puis là en couleur vraiment neutre, comme vous voyez. Il est intense à l'écran, j'adore ça. C'est 100% moi. Ben je l'ai pas porté encore parce que j'avais pas calculé que d'essayer de faire un corps à plat sur un yoke circulaire avec la machine, ça marcherait pas parce que j'avais pas assez long de... j'ai pas assez d'aiguilles sur ma machine pour accommoder la quantité que j'avais besoin. Fait que là, il a fallu que je fasse des coutures puis des trucs. Fait que ça paraît... C'est ça l'affaire. Mon but de ce que je dis, c'est que ça paraît, ça fait comme des petites... Ben, on là, le voit tellement en flash que vous le voyez pas, là. Mais ça fait comme une ligne puis une petite pince au bout, puis ça arrive à une place, une drôle de place quand je le porte, t'sais. Fait que... Mais il est-tu bloqué? Ouais. Mais, t'sais, je pourrais essayer de le rebloquer, de... Mais je pense que ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je le détricote puis je le tricote à main, là. Ouais, c'est quand même pas si mal, je pense que ça va être ça, là. Ça paraît plus en arrière qu'en avant, ouais. Mais en tout cas... Fait que je sais pas, je suis en réflexion, mais il me reste vraiment plus de laine. Alors, là, j'ai plein de bouts de laine qui traînent partout parce que c'est la bien-aimée avec mon dîme, la couleur fleurite morganite. Puis le blanc en haut, pour vrai, j'avais ça dans mon stash, je me rappelle même pas c'est quoi. Je pense que c'est de la tinane à la maison tricotée. Ça ressemble à ça. Je pense que c'est ça. C'est quand même gros. Attends, je vais prendre la... Mais tu sais, ouais, elle ressemble à la tinance. Le mix, en tout cas, des deux, j'ai triple. J'ai triple. Fait que c'est sûr que je veux pas que ça en aille aux oubliettes. Je vais probablement juste le détricoter puis refaire le corps à la main. À la main, là. Et je ne ferai plus ça. Et il va rester en t-shirt parce que j'ai eu plus de laine rose. Fait que... C'est beau tes couleurs. Mais j'adore ça, là. Ouais, fait que c'est un bon. Fait que c'est un faux FO. Un FO qui va retourner en whip. Ouais. Puis c'est le... Si je l'ai dit, le 6 pilates de quelqu'un. Ouais. Très beau. Mais tu sais, les couleurs sont juste magiques, là. Comme, check comment je vais avoir l'air d'un creamsicle à l'été. Ouais. J'adore ça. C'est vraiment beau. Fait que... C'est ça. Fait que lui, il est en... En tout cas, je vais peut-être essayer de voir si je suis capable de... La laine est tellement belle. C'est vraiment juste parce que quand tu... coup de quoi à plat sur quelque chose qui était circulaire, à un moment donné, tu te ramasses avec un extra yoke que t'as pas dans ouais. En tout cas, t'sais. Parce que la couture en tant que telle est quand même relativement transparente, là. Je veux dire, ouais. Si c'était juste la couture, ça me dérangerait moins. C'est vraiment ce petit bout-là. Fait que, en tout cas, je réfléchis. Mon petit manteau d'automne. Ceci... Et le
Miles Shirt Jacket de Ozetta, encore. Il est vraiment tentant, il est vraiment... Il est vraiment le fun, honnêtement. Puis il fit encore sur ma bédaine. Fait que c'est le fun. Fait, ben, je dis fit encore, puis... Mais... Il te faudrait juste un bouton de plus, en fait. Ben, j'en ai un plus. Ah, tu faisais ici? Ouais. Ouais, c'est ça, c'est la bédaine, juste pour le taquer un petit peu plus. Mais je veux dire, de toute façon... Fait que ça, c'est le c'est ça. Miles Shirt Jacket de Ozetta. Puis je l'ai fait avec un brin. Parce qu'elle a fait en Mangelopi, là, tu sais, c'est genre l'espèce de laine unspun avec à deux brins. Moi, j'ai pris de la Wool of the Andes et de la Nutidène ensemble. Un brin Nutidène, un Wool of the Andes worsted. Puis c'est vraiment beau comme le mix de couleurs, là. Pas juste c'est vraiment plus rose que ce que vous voyez ça, ça a l'air orange. La wool avait... Ouais, c'est genre rose, brun mauve. Ben, c'est camille, c'est là. Rose camille, ouais, c'est ça. Il mousse quand même pas mal, là. Mais c'est parce que, tu sais, je commence à le porter aussi. Je pense qu'une fois que tout doit... les mousses vont être parties, je vais être setée. C'est ça. Fait que beau, beau chandail. J'étais pas vraiment sur le gauge. J'avais une gauge un petit peu plus grande que la sienne. Je pense que c'était... Elle, c'est genre 15, moi j'avais 14, on en parle même. Fait que j'ai fait la taille que j'aurais faite en me disant qu'il va être un peu plus grand. Puis c'est pas mal ça que j'ai obtenu, puis ça fait que là, ça fait sur ma bédaine. Fait que c'est le fun. Puis c'est genre mon manteau d'automne. Et c'est quand même fait rapidement, là, justement, à cause de l'échantillon qui est quand même grand. Vraiment le fun à porter, avec le col double. Ouais. Comme, c'est vraiment, vraiment... Ici, il est full beau. Puis, dans le bas du corps, c'est ça, c'est comme le highlight, c'est les petits shirts roses, là, qui font une espèce d'effet chemise, là. Ouais. Puis, il y a des poches, puis, écoutez, c'est incroyable. Puis... Quand tu mets quelque chose dans ta poche, est-ce que ça l'ouvre, puis ça bave, ou ça tient pas bien? Pas tout, non, ça tient super bien. Nice, nice. C'est des patch pockets, là, qu'elle fait juste faire les poches, puis tes coups dessus, après. Puis, c'est ça, puis c'est encore une fois, j'ai trouvé ces boutons... au coin des trouvailles à Belleuil. Puis ça fit beau. Parfaitement le style. C'est comme un genre d'effet cuirette, là. Vraiment comme... beau. Ouais, ça fit full. Ouais. Je capote. Ça a l'air d'un top de tarte aux pommes. Oui, c'est vrai. Fait que c'est ça. Fait que je suis vraiment satisfaite de ça. Miles Shirt Jacket. Vraiment. De Ozetta. Marais juste deux. Good. Je vais aller chercher, pendant que tu fais ça, je vais aller chercher mes bépinettes. Ben, en tout cas, ouais. Un ou deux que je veux montrer. Parfait. Donc, l'autre qui me reste, c'est ce chandail, encore une fois, une couleur très neutre, que vous avez probablement vu passer sur Instagram. Le patron, c'est le Wrong Side de Max Donetter, Maxime Cyr. Et donc, j'ai eu la chance d'être la model pour le patron. Donc, les couleurs et la laine, c'était une collaboration avec la bien-aimée. Donc, c'est la Cori Worsted, qui est d'ailleurs une des plus belles laines que j'ai jamais tricotées ever. La couleur, c'est anémone pour le mauve. Puis, le rose, c'est la même couleur que mon stipula, mais dans une autre base qui était celle-là, je crois, mérino. Donc, fluorite morganite. Chose comme ça. Puis le blanc, c'est un mini qu'elle m'avait envoyé pour pouvoir le faire avec les petits détails. C'est un chandail en reverse stockinette. Bon, voilà. En jersey, sur l'envers du jersey. Donc, on le tricote comme sur l'endroit. On tricote sur ce côté-là ici. Puis on le porte à l'envers, d'où le nom Wrong Side. On dirait qu'il y avait pensé. J'adore ce chandail-là. Je l'ai fait vraiment plus... avec moins d'aisance positive que je fais normalement. Puis pour vrai, j'aime ça. Fait que je pense que je faisais des chandails trop lousses. Je pense que pour ma 16, ça m'avantage plus quand il y a moins de positives. Fait que je pense que je vais commencer tranquillement à embrace ma silhouette et y aller avec me mettre en valeur. Parce que, tu sais, j'ai tellement une bonne différence de
de cette différence entre mon buste puis mettons ma taille, que quand je le fais full buste avec 10 pouces d'aisance puis que je réduis pas, ben c'est trop grande partout ailleurs que pour mon buste. Tandis que là, il est juste sur mon buste, mais partout ailleurs, il y a un parfait fit. Fait que ouais, de toute façon, que... au buste, avoir du négative ease, je veux dire, c'est correct. Oui, c'est ça. Fait que ça, on dirait que j'avais tout le temps trop peur que ce soit trop serré, mettons, à la taille ou quoi que ce soit. Mais finalement, tu sais, je peux vraiment. Tu sais, j'ai 10 pouces de différence entre mon buste et ma taille. Là. C'est quand même beaucoup 10 pouces. Là. Fait que si j'ai zéro ease au buste, j'ai le bon ease pour le restant de mon corps. Ouais. Fait que, fait que c'est ce que je dis. C'est comme soit tu diminues ou soit tu fais juste plus petit. Oui, c'est ça, mais comme tu dis, ça me dérange pas d'avoir zéro ease. Ouais, c'est ça. Au buste. J'ai pas besoin d'avoir full ease. Non, non, c'est ça. Donc, c'était ça, c'était le wrong side. Puis pour vrai, la Corey Worsted. Voyons, j'ai un peu de la misère à dire ce mot-là. Corey Worsted. Bravo, you did it. De la bien-aimée, c'est une. Vraiment c'est pricey, là, mais un petit luxe. C'est du beurre, là. Ça a aucun bon sens. Tu tricotes ça, pis t'es comme... Je tricote de l'air doux, genre. Je sais pas comment dire. C'est vraiment fun. Encore une fois, c'est une laine qui est un peu comme celle-ci, là. Tu sais, si... Ça peut piquer. Vraiment sensible, ça peut piquer. Mais encore une fois, on s'habitue bien. Tu sais, comme là, ici, là, si je mets ma main... Pis non, tu te renfonces les pics. Puis je me renfonce les pics, ça pique. Mais tu sais, si je me touche pas, ça va. Si je me touche pas, c'est comme weird. Hors contexte, mais ça va, tu sais. Fait que c'est ça pour ce chandail. Ça, c'est un chandail pour moi. Je l'ai fait avec beaucoup de négative ease. Je l'ai fait avec beaucoup de négative ease. C'est cute! Ouais, c'est ça. J'ai quand même beaucoup de baby knits, mais je peux pas, vraiment pas vous les passer à travers, mais je le ferai dans mon Patreon, par contre. Juste parce que j'aimerais ça parler de toutes mes affaires en détail, mais comme on peut pas faire un podcast de 14 heures. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'était vraiment fun à faire. C'est le Wilfred de Petite Knit, qui est un de ses premiers patrons. C'est un drop shoulder qui se tricote à partir du bas vers le haut. Puis moi, je l'ai fait avec un kit de laine à chaussettes de Tiny Human Knits. Fait que dans le fond, c'est de l'autorayante, ça ici. Cute. Puis ça, c'était comme la laine qu'elle fournissait là, pour faire les petits talons et compagnie. Et l'autre laine, le petit doudou, ça, c'est de la bien-aimée aussi. Comment elle s'appelle? Non, pas Elix, l'autre. La boucle, Merino boucle, je sais plus, qui est un bouclé fingering. Ouais. Ben, fingering, honnêtement, tu peux le tricoter une gauge worsted quasiment, mais c'est comme 400 mètres par 100 grammes. Fait que dans le patron, c'est comme fait avec, c'est des grosses rayures d'habitude dans le patron. Moi, je l'ai fait que dans le fond, mes rayures, ben, c'était comme une partie. Que c'était l'autorayante, une partie c'était le petit doudou. Mmh. Puis ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait à plat au lieu de le faire en rond pour que mes rayures de corps soient pas trop loin en épaisseur de mes rayures de manche. Parce que si je l'avais fait en rond, mes rayures de corps auraient été des fines lignes, là, tu sais. Ça aurait été vraiment différent des manches, mais en le faisant à plat, ben ça fait que j'avais moins de voyagement à faire, fait que... Fait que ça faisait. Puis en plus, ça tombait que chaque épaisseur de ligne, c'était exactement une répétition. Fait que c'était ultra satisfaisant. j'étais comme crime, c'est la bonne largeur. Parfait. Fait que c'est ça pour ça. Puis j'ai mis des petits boutons de Mud Buttons que j'ai pris cet été là, au Festival Twist. Je trouvais que c'était vraiment trop mignon. Je me rappelle plus quelle taille j'ai fait, mais j'ai écrit dans ma page de projet. Ravelry, fait que ça c'est pour mon bébé, que en passant on sait pas si c'est un gars ou une fille, là. C'est un bébé. C'est pour mon bébé. Un bébé en santé. C'est ça, ben, so far. Fait que voilà. Pour ce petit projet, je vous le montrais parce que c'était un de mes préférés que j'avais tricoté. Il est vraiment beau. C'est vraiment trop cute. Fait que c'est ça. Sinon, veux-tu y aller avec ton prochain? Continue ton baby knit, puis je vais faire mon prochain prêt. Je vous montre un autre que c'est un baby knit que j'ai fini il y a longtemps. C'est beau. Genre en 2021. Ceux qui ont vu mon Instagram, vous saurez pourquoi. Parce que je l'ai tricoté avant cette grossesse-ci. Oui, t'as pas vu?
C'est cute, hein? Je meurs. Ah, j'avais tellement hâte de le montrer, là. J'étais comme, oh my god. C'est beau. Ça, je l'ai fait en 2021. Okay. Oh mon dieu, qu'à l'écran, ça rend pas justice à comment c'est beau. Non, mais... Comme, ok, mais mettons que je m'approche, là. Oh my god. Ouais, c'est comme, je pense que c'est mon truc au préf, là. Cute! Comme... Oh mon dieu! Fait que ça, c'est comme des petites... Le squish. Tu peux passer par-dessus la main, là. C'est comme une pochette. Oui, c'est ça, je regardais avec les tu peux sortir sa main, puis ou les. Là, en tout cas. Puis ça fait comme un petit coffre si tu. Je sais, c'est cute. Fait que ça, c'est le Selmaz Sleep Suit. Qui est un patron aussi de petites nuits qui se tricote en worsted. Moi, je l'ai tricoté en Wandering Flock doublé sur lui-même. La couleur, c'est Cosmic Tie-Dye. Et l'autre couleur, c'était Neon Sherbet, je pense, ou je sais plus. Ah, c'est Holograph Dreams. C'est ouais. Beau, ça. Crème que c'est beau. Puis, c'est ça, je pense j'ai utilisé quand même 3 échevaux. Tu sais, vu que c'est tricoté double, il est lourd, puis c'est super wash, fait que... Ouais. J'ai pris 3 échevaux du Cosmic Tie-Dye, puis un... De l'autre couleur, que, ce qui est genre vert néo. C'est tellement c'est beau! C'est cute, là! Avec les petits boutons qui fitaient parfaitement. J'ai envie de voir que t'as trouvé des boutons de même. Je me rappelle plus, ils viennent pas de quoi les trouver, parce que c'était avant que je déménage. Je me rappelle plus où est-ce que je les ai pris, sûrement genre au Fabricville. C'est cute. Puis j'ai comme fadé mes échevaux, vu qu'ils étaient comme pas tous identiques, comme en haut, il était un petit peu plus jaune, là. Fait que c'était un beau petit One Piece. Celui-là, j'avais tellement hâte de montrer. J'ai hâte de faire une petite photo aussi sur mon Insta, là. C'est vraiment mignon. Fait que... C'est pas mal ça que je voulais dire là-dessus. Je me rappelle plus quelle taille j'ai faite non plus. Je l'ai pas mis dans mes pages de projet. Mais il est quand même assez grand. Mais il est quand même grand. Là, je pense que j'ai fait comme le... Peut-être 18-24 ou le... Ouais. 12-18 mois. C'est cute, c'est mourant. Fait que là, je l'ai pas encore bloqué parce que je me dis qu'il va encore plus agrandir. Fait que je me suis dit, je vais le garder pas bloqué pour là. Puis à un moment donné, je le bloquerai quand. Quand le bébé sera plus grand. Il sera plus grand, il aura besoin de plus de place. Ben oui. Fait que c'est ça. C'est trop beau. Moi, j'ai. C'est un FO, pas FO, là. C'est juste par paresse. Quand FO sur tes aiguilles. Un FO sur des aiguilles. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais quand que. Je suis allée à mon road trip cet été. On est arrêté à Knit New Haven. Puis, il y avait cette laine qui est... j'ai pas noté, mais je pense que c'est genre laine. En tout cas, c'est de la laine commerciale. Là. C'est de la grosse bulky, mais chaînette. Oups, attends, j'entends. De la grosse bulky chaînette. Puis la chaînette dans le jaune... Et la chaînette est en rose, puis la laine soufflée dedans est jaune, genre, ou je sais pas. L'inverse. La chaînette est jaune, puis la laine soufflée est rose. Ouais, c'est ça. Vraiment puis ça fait vraiment beau. Puis après ma camisole from hell, j'avais besoin de quelque chose de easy peasy, là. Fait que j'ai fait ça. C'est le Cordoba de Kindred Red. Puis, tu sais, c'est un col, mais je peux quand même le... T'sais, même que je le bloque, là, il va prendre plus de place. Pis... C'est beau. C'est vraiment nice. Puis dans le fond, ça se fait en rond. Là, c'est de la brioche, évidemment. Ça se fait en rond. Pour vrai, c'est super facile parce que la moitié, tu le fais juste en rond normal. Puis là, il y a des petites diminutions. Puis la seule raison pour laquelle c'est encore sur mes aiguilles, c'est que ben j'ai manqué de laine. J'avais... Ah, pour ton rabat? Ouais, j'ai manqué de laine pour mon rabat. Puis, en fait, j'ai pas fait un rang pour essayer d'avoir assez de laine pour rabattre. Il m'en a manqué. Fait que là, je me suis dit, oh, tu sais, je vais rabattre un petit bout avec ce qui me reste de jaune. Il me reste juste ça. Fait qu'il faut juste que je défasse le rabat, le rang, puis que je re-rabatte. Donc, mais c'est juste parce que je l'ai fini juste comme le MKL commençait. Fait que j'ai pas pris le temps de le faire, là. Mais je vais faire ça bientôt, là. Fait que, tu sais, je vous le montre, je le remonterai pas. Puis les petites couleurs neutres, j'aime ça. Très, très neutre. Là, on est-tu rendu à comme nos encours? Oui! Allons-y! Moi, j'aimais pas tant, là.
déjà 2 heures qu'on est là. Quasiment. Non, je suis arrivée à midi. On peut sélectionner. Moi, j'ai... Mes encours, j'ai 2 chandails que je vais montrer. Parce que l'autre, c'est ma collabo bien-aimée, puis je vais pas le montrer tout de suite. OK. Puis 2 bas. OK, il y a des choses que je vais choisir de pas montrer. En tout cas, on part, puis... Tu leur montreras tout de suite après dans le prochain épisode de Procrastinateuse au singulier. C'est sûr. Mes encours. J'ai fait ces beaux petits bas pour mon petit chum. En laine que j'ai filé à la main, son cours, parce que ben c'était ça le métrage que j'avais, hein. Fait que, ben coudon. Puis là, j'ai demandé à mon chum s'il voulait que je fasse comme un cuff d'une autre couleur, puis il était comme « Non, laisse les courtes, c'est cute. » Fait que je suis comme « Parfait. » Fait que j'ai fait les DRK Everyday Socks de Audra Marie. J'ai fait la taille 68 mailles, parce que ma laine est quand même grosse. Normalement, lui, j'aurais fait la 74, je pense, j'avais fait l'autre fois. Mais celle-là, j'ai fait la taille 68 mailles. Non, c'était 76, j'avais fait l'autre fois. Mon Dieu. Parce que ma laine était plus petite, mais là, celle-là est un petit peu plus grosse, comme plus un sport. Fait que voilà. Fait que ça, c'est une tresse Urso qui était une tresse dégradée de Urso en BFL, non traitée. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste séparé ma tresse en 6 sur la longueur. Puis j'ai essayé de les faire 6 pas mal à peu près égales. Puis j'ai juste fait un 3-ply régulier. Fait que dans le fond, ça m'a fait 2 mini-échevaux avec chacun 3 brins qui ont été juste filés tous dans le même sens pour préserver là, le dégradé. Mais qui, pourquoi j'ai pas de chain ply dans le fond, c'est juste parce que j'avais envie d'un dégradé, mais qui avait certaines zones qui overlap, tu sais, qui sont pas tout le temps parfaitement alignées, fait que ça me fait un genre d'effet un peu heathered, là, tu sais, c'est pas comme, les couleurs sont pas solides, tu sais, il y a un petit peu de... Mais ça fait beau, ça fait comme plus blendé. De petites variations, fait que ça, c'est ma deuxième, là, qui est en cours. Fait que, tu sais, c'est ça, ça fait comme des petites variations de couleurs. Fait que c'est ça pour ça. Fait que là, il me reste juste ma deuxième... Je suis plus capable de me pencher! Juste en avance? Non, je l'ai eu, mais... Crampes de mollet! Oh non! Excusez, hey, les crampes de jambes, personne n'a pas prévenu là, de ça. En tout cas. Puis d'habitude, moi, j'ai souvent des crampes de mollet la nuit, puis j'ai appris à comme flexer mon pied dans l'autre sens pour tuer la crampe, puis ça marche. Ça a toujours marché, mais là, maintenant... Quand je fais ça, ça me part une crampe de quad. Nice! Il faut comme j'alterne entre les deux jusqu'à temps que ça arrête. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que ça, il me reste un petit peu de laine pour finir là, son deuxième bas. Mais c'est vraiment le fun à tricoter, là, la laine filée à la main. Là. C'est moi qui ai filé ça. J'ai pas fait encore de bas avec la laine filée à la main, mais... Êtes-vous impressionnée? Moi, je suis impressionnée. Comme, je la trouve vraiment belle. J'en reviens pas à quel point t'es... Comme tu fais une laine constante, genre. Mais je suis pas très diversifiée non plus. Tu sais, je suis tout le temps short forward worsted. Ouais. C'est worsted draft, là. Tu sais, j'ai pas fait de woolen spin encore, j'ai pas fait de long draw. Moi, je m'amuse plus dans toutes les... Ouais, mais c'est ça, mais moi, c'est que je m'amuse encore à faire la même affaire. Ouais, c'est ça. Tant que je m'amuse encore, je reste dedans, mais à un moment donné, je vais faire autre chose. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça pour ça, pour mon premier en cours. Moi, ouais, je vais montrer lui parce que il fait dodo depuis vraiment longtemps. Il fait dodo depuis le printemps, mais là, je pense qu'un coup, quand le MCAL va être terminé, je vais le reprendre parce que... Ah oui, c'est ton soyeux, ça? Non, c'est pas toi qui fais comme... le soyeux. Non, mais j'avais hésité. Ah oui, il s'appelle ça. Le Sviaborg. Oui. Avec un gros col, là, fou, ouais. Là. Oui. Avec un col le zippé, là. C'est la chose la plus complexe que j'ai jamais tricotée. C'est aussi la construction la plus chimiste ever. Elle fait tellement des belles affaires. Donc, OK. C'est un chandail, un gros chandail avec un col zippé, OK? Puis c'est tout des câbles c'est... partout. Le col, il monte, puis il y a un zip. Câble comme ça. Ah, oh, c'est beau. My God! Okay. Holy puis, moly! Honnêtement, ça se tricote quand même bien un coup que t'as pogné le beat, mais t'as 3 charts à suivre tout le long, puis... Faut que tu... À un moment donné... Tricot social. Non. Puis, tu sais, j'ai essayé de... Des fois, de comprendre le patron avant, mais
pour vrai, là, je pense qu'à un moment donné, là, j'étais genre, je vais juste... Il est pas instinctif. Y aller, là. C'est que le col, il a l'air de tout ça. Fait qu'il est relié. Ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, là, tu tricotes... Ah, c'est de même, ça se plie de même? Oui. Puis là, ça va se coudre, puis il va se replier sur lui-même, puis ça, c'est la place pour le zip. Qui va être à l'intérieur, comme... Oui. Attends. C'est ça. Oh my god! Ok, c'est genre de même. Oui, mais replié parce que c'est un col double. Oui. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de plis. C'est ça, ok. Fait que tu le mets comme ça, puis là, tu le replies comme ça. Ça, c'est comme la base de ton zip. Puis là, c'est la base de ton zip. Oh my god, ok. Qui ouais. va venir là-dedans, alors, là. Qui va venir là-dedans, comme ça. Assez complexe, ça, Sari. Puis quand tu le tricotes... J'imagine qu'elle te montre comment le plier. Oui, mais quand tu le tricotes, au début, t'es genre, what? Okay, c'est parce ça. Que tu fais ça, puis là, en fait, tu castonnes ça. Là, tu fais cette bande-là. Là, tu fais cette bande-là. Puis là... Tu rajoutes des mailles ici, puis ça fait comme un petit collier, tu sais. Puis là, t'es comme... Qu'est-ce que tu fais de la bonne affaire, parce que c'est vraiment weird. Puis là, tu continues ton col. Puis là, elle te fait faire ça. Là, t'es comme, OK, je sais plus ce que je fais. Puis là, tu pick up. Puis là, tu commences des câbles. En tout cas... Tu fais confiance et ça marche. Genre, vraiment, là, tu sais, elle a tout bien dessiné, mais c'est tough de le figurer, là. Fait que je l'ai juste... Winnie. Mais aïe que c'est beau. Comme, mais tu sais, mais j'adore le. Puis je l'ai mis en pause. C'est la Hedgehog ou c'est oui, la Tweedy? Oui, c'est la Tweedy. Okay, la Tweedy de Hedgehog que j'avais acheté genre début 2020, je pense. Puis dans le fond. Tellement passé date. Je l'ai mis en pause parce que je le tricotais et j'ai eu la COVID. Puis no way que j'étais capable de tricoter ça avec le COVID brain. Puis après, c'était l'été, tu sais, plus, ben, le printemps, puis là, c'était quand même un peu chaud, fait que je l'ai mis en pause, mais j'ai vraiment hâte de le reprendre. J'adore le tricoter, c'est le fun. La laine est incroyable. Tout est parfait de ce chandail. Je pense qu'il va être un peu juste, parce que j'avais... C'est ça, c'est que quand je l'ai commencé, il n'y avait pas de tweedy, même si je l'ai commencé cette année... Il n'y avait pas encore de tweedy, mettons, à la maison tricotée, puis dans l'autre place, puis il était dur à trouver. Fait que j'ai fait une grandeur que j'étais sûre d'avoir assez d'échevaux. Mais là, maintenant qu'il y en a un peu partout, j'aurais peut-être pris une grandeur plus grande, puis acheté un ou deux échevaux, tu sais. Mais c'est pas grave. Mais comme tu as dit précédemment, ben maintenant, c'est que tu acceptes moins de ease. J'accepte moins de ease. Fait que. Fait finalement, il va peut-être être parfait. Il va peut-être être parfait. Mais j'ai vraiment hâte de le terminer, puis de le porter. J'espère le porter cet hiver. Là. Je l'aime tellement. Puis il va quand même prendre l'expansion en bloquant aussi. Oui. Puis, tu sais, ça a l'air d'une... Tu sais, je veux dire, oui, c'est complexe. Là. Si t'as jamais fait de corps de ta vie, je te dirais que c'est peut-être pas le projet pour toi, là. Mais un coup que tu catches... Que t'es parti, t'as plus tant besoin... De suivre, là. De suivre, tu sais, c'est assez instinctif. Puis c'est qu'il y a beaucoup de symboles aussi, là. Des symboles vraiment intenses. Puis tu finis par les apprendre par cœur. Au début, je capotais, puis ça me prenait genre 1000 ans à faire un rang. Mais un coup, t'es parti, ça va super bien. Puis pour vrai, c'est mon genre de tricot, tu sais, vous le savez, là, moi, je suis pas jersey lover, là, fait que ça, genre, je capote. Puis, en même temps, parce que je les vois, j'avais commandé ces aiguilles-là, les cubiques. Je me rappelle plus c'est qui fait ça, je pense qu'il a dit. Sérieux, je les aime vraiment. Ah ouais? J'ai vraiment aimé tricoter avec ça. C'est pas ce chandail-là que j'ai commencé avec, mais genre, elles sont... comme une petite texture dessus. Ouais, puis elles sont hyper légères. Je sais même pas si c'est du plastique ou du métal. Je pense que c'est du plastique, mais je suis pas sûre c'est quoi. Mais pour vrai, ou sont de l'aluminium, en même temps, l'aluminium, ce serait mou en maudit. Ouais. Je sais pas. Ils sont vraiment cool. Même le câble, il est quand même nice. Ouais. Puis j'ai souvent mal aux mains avec les aiguilles, puis j'ai trouvé que ça me faisait moins mal aux mains. Ah ouais, puis avec moi qui trippe sur les aiguilles fixes. Ouais, essayez. C'est pour vrai. Ouais. Puis c'était vraiment pas cher, là. Genre 6 piastres, je pense. Hein? Ben non, peut-être j'exagère, genre, là, c'est comme 17 piastres des aiguilles fixes chaque goût. Genre. Non, je les ai... Pour vrai, c'était pas cher, je les ai commandées... Les Adi cubiques. Ouais, je les avais commandées en même temps que de la... Osgarn. Puis sur la boutique de Osgarn, pour vrai, je dis 6 piastres, je pense que j'exagère, là, mais
ils sont pas 30$ comme les Chiabou, mm-hmm. là. OK. Puis je les ai vraiment aimés. Ouais, ils sont nice. Ouais, j'ai dit 17$, mais c'est peut-être même plus les Chiabou. Ah, c'est genre 30$. My God. C'est pas cher. Mais, tu sais, je veux dire, c'est les meilleurs, là. On va se le dire. J'ai un autre petit bol. Oh, yeah! Regardez comment c'est beau! Fait que là, l'histoire de ces bas-là, c'est que en fin de semaine, j'avais de la formation continue pour ma job. Même si je suis rendue en arrêt de travail. Mais je fais quand même ma formation continue pour garder mon droit de pratique. C'est ça. Puis, ben, je veux dire, j'en ai moins à faire vu qu'il y a une partie, je vais être membre inactif. Mais bref, j'avais de la formation continue en fin de semaine. Et vendredi et dimanche, je vais te donner samedi off. Puis je savais qu'avec ce bas-là, j'allais pas toffer longtemps 2 jours de formation. Donc, je m'en étais partie un autre. J'avais fait le coffre à la maison pour partir le bas rendu à la formation. Puis le vendredi, je suis allée en train. Fait que là, j'ai un bus qui m'amène de chez nous jusqu'au train. Puis là, je me rendais au Palais des Congrès. Puis je suis revenue. Fait que bref, j'ai eu beaucoup de temps de tricot dans cette journée de formation. Du vendredi. Fait que bref, j'ai beaucoup avancé le bas. Puis le but de ce bas-là, c'était parce que là, je commence à avoir je ne vois pas mes pieds enflés comme quand je les regarde, mais mes bas, parce que moi, je tricote vraiment mes bas tight. Mes bas, il y a des bas que je suis capable de mettre. Fait que j'étais comme, ouais, je vais avoir les pieds enflés. Ouais. Fait que là, je me suis dit, j'en fais des bas plus grands pour être capable de les mettre facilement. Puis là, je le mets, puis ça va super bien. Je l'ai fait avec un kit des brebis du beau rivage, qui est un kit de frisonne des bergers. Il y a comme juste le petit vert là, qui est teint, parce que le blanc, il est pas teint, puis le gris, je pense, c'est pas teint aussi. C'est ça. Fait que c'est un kit où est-ce qu'il y avait comme 56 grammes de la couleur principale, la grise, puis 20 kecs de blanc, puis 20 kecs de vert. Fait que c'est ça, je les ai fait de la cheville vers le bas. Fait que c'est comme des côtes 1-1 dans mon coffre, puis des côtes 3-1 dans mon pied que j'ai continué sur le talon. Puis ce que j'ai fait aussi pour accommoder mon gros pied enflé, que ça paraît pas encore, mais que je le sens, c'est que j'ai fait mon heel flap plus long. Donc tu sais, d'habitude, mettons, des bas de 64 mètres, tu fais ton heel flap genre 32 rangs pour avoir 16 pearl bump, puis tout. Mais moi, j'ai fait comme 18 pearl bump à pick-up sur les côtés. Puis, c'est ça. Quoi d'autre? Fait que ça fait que mon gousset, dans le fond, il est juste plus profond. Fait que c'est plus facile à rentrer mon gros pied dedans. Puis j'ai continué les côtes sur mes orteils, parce que je suis une fille de même. C'est cute. C'est très tannant comme oui, fleur. Hein? J'ai commencé le deuxième. Puis moi, dans la vie, là, maintenant, je tricote quasiment plus de bas qui sont pas de la handspun. Mais là, j'avais mes conférences là, puis je n'en avais pas de la laine filée pour me partir d'autres bas. Fait que je me suis dit, garde, raison pour commencer un petit kit de bas. Puis honnêtement, même si c'était pas de la handspun, j'ai quand même eu du fun pareil. Fait que c'est ça, j'ai commencé mon deuxième. Puis c'est ça qui me reste. Je fais des bas de... Ouais, c'est ça quand même. Je fais des bas de 64 mètres, mais elle est un petit peu plus grosse que de la fingering. Ben, elle est très aérée comme laine, là. Fait que c'est 64, mais tu sais, j'ai de la place, là. Fait que c'est ça. Il y en a encore sur son site, d'ailleurs, des brebis du beau rivage, je vous recommande. Il n'y a pas ce kit-là, mais il y en a d'autres couleurs. Un bas en whip! Oui! Ah, oh, il est beau! En plus, on en avait parlé au dernier podcast que t'allais faire ça avec ce kit-là. Et pour une fois, je l'ai faite. C'était ton kit pionnier. Oui. La couleur... Attends, approche. Je ne me rappelle pas du nom de la couleur. Mais c'était comme un kit spécial là, d'automne, l'année passée. Puis c'est les Vili Vini? Ouais. Oui. Je ne me rappelle plus du nom de la designer. En fait, j'avais déjà fait ces bas-là, vous vous rappelleriez, avec le kit de Noël de Paul en 2018. C'est au ouais. début. Ouais. Fait que, puis pour vrai, c'est une de mes paires de bas que j'ai le plus porté et que j'aime le plus. Donc, avec plaisir, j'aurais fait la deuxième. Puis j'ai fait, le seul petit changement, c'est que j'ai fait un petit jeu de mailles glissées avec les deux cute. Couleurs. Sur le talon. Sur le talon. C'est cuff down. J'ai mal lu le patron, fait que mes diminutions dans le milieu de ma dentelle, ils sont pas corrects, mais bon,
pas grave. Je m'en suis rendu compte à la fin, fait que personne ne va le savoir, puis c'est dans du noir, fait qu'on s'en fout pas mal. Puis ben là, j'ai commencé la deuxième, mais tu sais, j'ai peut-être fait sur la deuxième. Fait que ça sent bien, là, je vais le faire tranquillement, là. J'aime tellement ça, la dentelle noire, sérieux, c'est fou. Ouais, c'est vraiment beau, puis quand je le porte dans mon pied, ça fait juste... On le voit oui, juste bien, tu le, vois bien le motif. Là. Comme là, quand je le mets comme devant le mur, là, tu vois, ouais. C'est super bien. Ouais. Fait que j'ai bien hâte de les avoir terminés puis de les porter. C'est vrai. Toute ma vie. Tout le temps. Parce que je les aime. Crème qui atteint les belles affaires. Mais hein. Belle. Après, j'en achète, mais c'est comme, je manque tellement pas de laine. Ben, surtout que de toute façon, là, les... Je tricote vraiment plus ma handspun, mais... Puis je m'en rappelle pas c'est quoi la base, mais je pense pas que c'est Superwash. Je sais plus. Je m'en rappelle pas. Ça. Mais... Elle est fun. Alors, excusez le bye man, voyons. Hey. On est rendu loin dans notre filmage. Ouais, fait que c'est ça. Je les aime vraiment beaucoup. J'ai hâte de les porter. Le parfum est vraiment le fun. Si vous avez jamais fait de l'intarsia, je pense que c'est un bon projet. Ça l'explique bien comment le faire. Puis, pour vrai, ça a l'air compliqué, là, l'intarsia, mais non. Non. Ça se fait très, très bien. La seule chose, c'est que ben ton bas, c'est comme si tu le faisais à plat, tu sais. Des allers-retours, tu sais. Mais c'est tellement pas beaucoup de mailles que... Ça, ouais, ça dérange vraiment pas. Moi, je trouve que ça fait juste bien rythmer le tricot, puis c'est agréable à tricoter. Je les aime beaucoup. Tu veux-tu un autre... Ah, oh, non, j'ai... OK, j'allais dire, j'ai ça là. Je pense que j'avais fini, mais j'ai fini pour mes bottes, mais j'en ai d'autres. OK. J'essaie de voir qu'est-ce que j'ai d'autre après. Sinon, je fais le Zosia Wrap Cardigan de... C'est Alex quelque chose. C'est vert and rose sur Instagram. Oui, elle est comme sortie de nowhere, puis c'est vraiment beau. Puis tout ce qu'elle fait, c'est tellement beau. C'est vraiment beau, mais je suis à tricoter, c'est pas clair. Tu sais, je suis assez bonne pour faire mes propres affaires quand je tricote. Tu sais, si c'est pas clair, c'est pas grave, je vais faire à ma tête et tout, mais là, c'était comme pas clair de chez pas clair. Fait qu'il a fallu que je me fie sur les photos pour tricoter parce que je comprenais pas avec ce qui était écrit. Oh. Fait que j'ai tricoté selon la photo. Dans le fond, c'est que ce qui est vraiment la chose la plus mêlante, là, c'est que quand tu commences à faire le panneau de dentelle, ces rangs d'augmentation de shaping du cache-cœur, les rangs d'augmentation, mettons, les rangs impairs sont les rangs en droit. Mais sur sa chart, les rangs impairs sont les rangs envers parce qu'elle te fait commencer la chart sur l'envers. Mais là, pour toi, quand tu lis la chart, tu sais, d'habitude, tu regardes la chart puis ça va être ça qui va être ton affaire. Mais non, c'est comme l'envers. Fait que la chart que tu vois, c'est ce que tu vois sur l'envers là, du truc. Oh non! C'est vraiment, là, je comprenais pas. Il fallait que je regarde les photos puis que je devine quelle taille elle avait fait pour voir dans quel sens elle avait placé sa chart. Puis il y a plein d'affaires de même, là, comme... Mettons, elle te fait faire des knits 3 below. Fait que ça, c'est comme tu tricotes 3 rangs en dessous, mais il faut que tu les tricotes torse. Donc, pour tricoter des knits 3 below torse, il faut que tu défasses, tu sais, tu unravel les 3 rangs d'en haut pour pouvoir arriver à ta main dans le bas puis de la tourner puis tricoter à travers. Bye. Mais à chaque fois, faut que tu fasses ça. Fait que là, moi, j'étais comme, c'est pas vrai que je vais tout le temps unravel rang par rang. Parce que moi, quand je fais une étroit below, tu sais, d'habitude, je tricote, puis les trois autres, je suis là. Tu sais, ils unravel tout seul parce que tu togues, puis ils drop tout, puis c'est tout. Mais tu peux pas le faire vu qu'il faut que tu te rendes à twister ta main. Puis en plus, là, t'as comme de la laine qui colle, là. Fait que ça devait être. Ouais, mais non, ça, c'était pas. Ça se faisait bien. C'était pas ça. Je l'ai fait deux fois, mais je vais pas faire ça. J'ai dit à la place, ce que je faisais, c'est que. Le rang où est-ce que j'aurais dû tricoter torse. Dans le fond, j'ai tricoté cette maille-là torse. J'ai fait comme un purl one through back loop. Comme ça, quand je fais un knit 3 below, ben, j'ai pas besoin de la twister. Elle est déjà twistée parce que j'ai les purl through back loop. OK, mais pourquoi c'est pas ça le patron? C'est si simple. Ça veut dire qu'elle a pas catché qu'elle pouvait faire ça. Parce que ça veut dire qu'elle aussi, à chaque fois, elle défait de ses affaires, elle tricotait. Moi, j'étais comme, ben là, on va voir ça. Ben trop compliqué. Ça vient au même, c'est juste que c'est moins long. Fait que si vous le faites, faites des purl one through back loop. Le rang que c'est supposé de torse. Au lieu de le torser plus tard. C'est ça. En plus de ça. Juste pas pensé. Ben, moi, je l'ai pas fait sur le gauge parce que j'étais vraiment pas sur la gauge, mais je suis pas grave parce que pour moi, ça, c'est pas un problème d'adapter en fonction de ma gauge.
Ce qui fait que, genre, je fais, genre, le small pour obtenir, genre, un X large ou une affaire de même. Fait que ça monte plus vite, puisque j'ai une plus grosse gauge. J'ai une gauge de 17, je pense, à la place de 21. C'est comme une grosse différence. Mais ça, c'est pas un problème. Le fit va bien. Là. Fait que c'est un cache-cœur, dans le fond. Là, je parle, puis j'ai même pas montré encore. C'est un cache-cœur. Puis il va avoir des manches à m'amener. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais il va avoir des manches. Avec, genre, un panneau de dentelle. Comme ça, c'est... Non, ça va de même. OK, c'est ça. Excusez, là. J'essaie de me retrouver. Ça va comme ça. Avec, genre, le panneau. Fait que c'est ça, ici, les Netro Below, là. C'est ça que ça fait. Mais, tu sais, je pense que c'est juste un défi de nouvelle designer. Elle oui, c'est ça, elle vient de commencer. Qu'elle pouvait puis, faire ça à la place. Elle veut tellement être inclusive, ce qui est vraiment très apprécié, que c'est trop compliqué. Tu sais, c'est qu'elle donne tellement d'options. Pour faire ça, tu peux faire ça. Pour faire ça, tu peux faire ça. Mais c'est toutes des at the same time. Fait que, comme, tu veux juste faire le patron, mais il faut que tu lises 20 pages pour être capable de savoir c'est quoi le at the same time que tu dois faire. Faut comme tu lises tout pour être capable de partir ta répétition de at the same time, faire ça, pis ça, pis ça. Fait que, honnêtement, pour débutants, je recommande pas. Mais elle avait dit not for beginners. Fait que, tu sais, contrairement à l'autre qui l'avait pas dit, qui avait dit que c'était pour les beginners. Ben, honnêtement, l'autre qui est beginner friendly, un coup le castan de passer, là. C'est ouais. Castan un problème. Mais c'est ça. Mais ça, là, il est clairement pas beginner. Il y a tellement de shaping. En même temps, tu sais, t'as l'angle de ça qui change, t'as les augmentations ici. Après, t'as du waist shaping. Après, t'as du bust shaping en fonction de ta grosseur de boule. De boule, excusez. De tonton, c'est encore mieux. De sein, Camille. Oui, de sein. Bon. De poitrine. Et c'est ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de détails, ce qui est vraiment le fun, tu sais, parce que tu peux vraiment adapter à ta shape. Mais comment c'est fait, je trouve que ça fait juste over compliquer les affaires. Ouais. Fait que c'est facile de se perdre là, dans ce patron-là. Peut-être fallait faire genre un PDF par groupe de grandeur ou est-ce que c'est... Non, parce que c'est ça te permet de d'adapter pas dans ta grandeur, tu sais, dans le sens où okay, ouais. T'as des tailles, puis après ça, t'as tes adaptations à toi tout seul. De comme, mais moi j'ai telle taille, mais j'ai des gros seins par rapport à ma taille, mais j'ai ici par rapport à ça, j'ai mes tu sais, elle te montre pour les langues. Elle a fait un méchant bras. Travail, hein? Elle a fait un énorme travail, mais on se perd. Tu sais, comme... En tout cas. Fait que je sais pas, tu sais, c'est sûr qu'il y avait moyen de mettre ça plus concis. Tu sais, comme... En tout cas. Mais, bref, malgré tout, j'adore le patron. Le fit va bien aller, il me fait bien. Il va avoir des manches en passant, c'est comme des grosses manches ballon. Puis il y a une ceinture. Et la ceinture, c'est long parce que... Faut que tu fasses genre 50 cm de ceinture, puis ensuite tu fais tout le tour de ton corps parce que tu fais comme une applied border que tu vas chercher toutes tes mailles de ton corps. Puis ton corps, déjà, il est plus large parce que t'as une partie qui overlap. Puis en plus de ça, après la ceinture, faut qu'elle repasse en arrière de ton dos, puis que tu rajoutes ton 50 cm. Fait que, tu sais, la ceinture est comme 2,5 mètres au total. Mais il y a une option d'en faire plus mince. Moi, j'ai fait l'option plus mince parce que, de toute façon, je voulais pas une énorme boucle non plus parce que ça va être dans le chemin. C'est ça, fait que je vais... Puis aussi, ce que j'ai fait différent, c'est que la ceinture, je l'ai faite avec un petit pointu. Parce que normalement, elle te fait comme monter les mailles comme rectangulaires, là, de même. Ouais. Moi, j'étais comme, ben là, une boucle, puis je voulais que ça ait un petit pointu. Fait que j'ai fait un petit pointu. Ouais, cute. Je l'ai fait en utidène, qui est cette laine non filée, avec... de la Appledore Lace que j'ai acheté au Festival ça, Twist beau, de Rive Compagnie. Regardez comme c'est fou, là. Il y a tellement de petites couleurs là-dedans. Fait que les deux ensemble, là, ça fait vraiment là, comme vraiment beau, là, les petites variations de couleurs. C'est magnifique. Fait voilà. Fait que ça, c'est mon Zosia Wrap Cardigan. Là, pendant que tu parlais, j'ai fait des tris et des affaires que je montrais pas, il y en avait trop, puis j'en parlerai dans un autre... Ah, celui-là ici, dans mon bout. Oh, il est beau, wow. Parce que je suis allée chez Magpie Fiber dans le coin de Rhinebeck. Non, dans ton road trip. Dans mon road trip, Magpie est dans le coin de Washington. Ah, ok. Pour vrai, là, worth it. Comme, allez-y, c'est beau. La laine de Magpie, elle est
incroyable. Je les ai pas apportés, ce que j'ai acheté, les écheveaux, parce qu'on s'était dit qu'on ferait pas d'achat, vu que ou très peu, vu qu'on a beaucoup de choses à dire. Mais pour vrai, là, je recommande fortement ce magasin si vous allez dans ce coin-là. C'était magnifique. Et donc, ça, c'était mon cast-on que j'avais fait justement pendant ce voyage-là. Écoute, il avance quand même bien, mais c'est juste que c'est un chandail au complet en poignerie. Puis à un moment donné. Mais ça, on vaut du poignerie. Par notre alose. Ouais. Ça, c'est le. Point de blé. Point de blé. Oui. C'est comme tes stacks deux fois. Oui. Avant de... en fait, t'as... Ah non, c'est un rang net. C'est un rang net. C'est oui. Un point de semi. Un point de semi. Bon. C'est le single malt de Maxime. Que j'ai fait tout différent. Honnêtement, j'ai gardé l'idée de faire... j'ai gardé l'idée de base. T'as gardé le point. Ouais, genre quasiment. Mais c'est que le single malt, c'est un chandail qui se fait en hareng. Ceci n'est pas hareng. Ceci est plutôt diqué. C'est de la Rose Garn Coast doublée. Tellement fun la texture de ce genre. J'adore ça. La couleur, c'est tellement mon rose. Là. C'est comme un vieux. Il a l'air un peu orangé, mais c'est un vieux rose. Un vieux rose. Ben, je pense que ça s'appelle Dusty Pink, la couleur en fait. Mm-hmm. Donc, puis c'est un chandail à manches longues normalement. Moi, je vais faire t-shirt. Parce que c'est en coast aussi. Ça c'est en coast, ouais. Festival. Puis, en fait, c'est parce que je me suis rendu compte qu'un de mes chandails les plus portés, c'est le Slaou, là, que j'avais fait. Puis, je l'avais fait en t-shirt, puis je l'adore. Mm. Genre, il y a bien du monde qui dit « Ah, un t-shirt en grosse laine, j'aime pas ça. » Moi, j'adore ça. Fait que, voilà. Fait que là, je le fais en t-shirt. J'ai passé, tu sais, j'ai quand même un bon bout de fait de passer les manches. Mais c'est juste que j'étais tannée de faire du knit purl par bout. Fait que j'ai commencé d'autres affaires au fur et à mesure. Mais je l'abandonne pas. Genre, je travaille dessus un peu... de temps en temps. Puis, dans le patron, normalement, tu sais, le détail ici... Oh, on voit que... Il y a un détail, là, dans le raglan. Ouais, on va pas faire. Je donne un peu d'angle pour l'ombre. Normalement, il se continue pas en dessous des bras. Mais moi, vu que je le fais pas en hareng, il a fallu que je fasse la plus grande grandeur et un peu plus. Fait que moi, je l'ai continué en dessous. Je sais pas si tu le vois là. Ouais, je la vois ici, sur les côtés. Sur les côtés. Mais c'est tough avec la lumière trop bien. Fait que moi, j'allais continuer. J'ai comme fait un panneau où est-ce que j'allais continuer, puis j'ai fait un panneau de point, du point dans le milieu pour donner le surplus que j'avais besoin, vu que je fais en vraiment plus petite laine, puis que la plus grande grandeur fitait pas le gauge. Fait que c'est comme une façon de... Ça, t'es juste pas sur le gauge pantoute, dans le fond. Non, non, zéro. C'est censé être à rang, puis c'est diqué, là. Ouais, ouais, fait okay. Que j'ai juste... Pour que ce soit plus facile à adapter, j'ai juste vraiment rajouté un panneau en dessous des bras. Puis j'ai rajouté des mailles, là, ici. Puis j'ai approfondi le raglan. Fait que finalement, j'ai gardé l'idée générale du patron, mais j'ai fait quelque chose de complètement différent avec. Donc, voilà. C'est quand même agréable à tricoter, là. Ma la texture est tellement nice, la coste. Ouais, ouais, j'ai hâte de porter ce t-shirt. Ça va être bien fun. Donc, ça, ben, tu sais, je suis pas bonne là, avec Ravelry, vous le savez. Mais peut-être que celui-là, je vais plus le détailler vu que j'ai fait vraiment différent du patron. Comme. Tu vas te mettre plus de notes. Ouais. Parce que, tu sais, même je pense que mon cast-on, c'est pas la même quantité de mailles. J'ai juste gardé la proportion des short rows. J'ai pas le même nombre de corps. J'ai pas fait la même profondeur de réglage. J'ai gardé l'idée générale, mais j'ai fait... C'est quasiment comme si t'avais tricoté à partir d'une photo. Oui, en fait. En fait. Fait que... Mais ça fonctionne super bien, puis je l'aime beaucoup. Comme quoi que des fois, on peut... tu sais, c'est des règles de trois, là. On peut s'adapter. Donc, c'est pas mal ça. Il m'en reste juste un. Ah, ben vas-y. J'allais dire, t'as-tu des envies de tricot, mais go pour le oui. Juste un. Ah oui, mais il m'en reste un mot aussi. Fait que, comment ça? Ça, c'est un autre achat Rhinebeck. Mon sac un peu witchy Halloween, mais en vert Tania, parce que même à Halloween, on a du vert Tania. Avec ma belle pin de Farmer's Daughter, puis voyons, j'ai un blanc.
Farmer's Daughters, pis qui a fait ça? Bon, j'ai un blanc, en tout cas. Hey, je sais pas comment il marche le focus sur cette caméra, c'est tout le temps qu'elle qui fait. En tout cas, c'est flou! Je vous montrerai de photos. Donc, c'est mon MCAL de Steven West. Si jamais vous le faites, que vous avez réussi à pas vous spoiler les indices, ça serait le moment d'avancer un petit peu. Mais je suis en retard sur les indices. Donc, on est rendu à l'indice 3 qui est sorti jeudi dernier. Là, on est lundi. Puis moi, je suis en train de... Je suis à peu près à la moitié de l'indice 2. Donc, le voici, le voilà. Encore une fois, des couleurs hyper neutres. J'ai vraiment une obsession sur le rose et orange flash mélangés ensemble ces temps-ci. Donc, voilà. Ben, je pense qu'il y a plus dans l'autre sens, mais ça se va mieux se tenir de même. Hein. Fait que le voilà, le voilà, le voilà. C'est ça, je trouvais pas comment le soulever. Fait que c'est vraiment mon obsession de couleur ces temps-ci, ce mix de orange et rose. C'est vraiment beau. Les laines, c'est le blanc puis la rose ici. C'est la Héritage Cascade Yarn. Cette couleur-ci, c'est probablement un numéro, hein? 5737, qui est... Rose. Il y a un nom sur le site internet, Rose quelque chose, puis celui-là, c'est un petit beige que j'ai pas le numéro. Que Cisco a pogné ma part. Ton orange, c'est quoi? C'est la Sandness Garn Sunday, donc la collaboration avec Petite Nid. Mais Fingering. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est Fingering. Fingering. Donc, voilà, j'imagine, je sais pas si vous avez vu un peu comment ça fonctionne. Mais Steven West étant fidèle à lui-même, c'est spécial. Donc, en fait, ça m'a pris super du temps faire le premier indice parce qu'il y a vraiment beaucoup de tricots. Sérieusement, là. Le premier indice, là, comme ça, là, c'était vraiment beaucoup. Puis, c'est ça, c'est que, en fait, ce qui fait que c'est long, c'est non seulement que c'est une grande portion, mais c'est que les tresses, c'est ça. Fait que à toutes les 4 ans, tu castonnes puis tu bind off. T'sais, fait que c'est très long faire ces rangs-là. Et après, tu la remontes en tricotant, comme? Ben, t'as pas besoin de tricoter, en fait. Non, mais je veux dire, comme une maille, comme si tu remontais une maille échappée, genre. Ouais, exactement. T'sais, dans le high cord du début, tu le twists pour faire ta première loupe, là. Oui, OK. Puis après ça, tu remontes tout comme ça. Ça fait, genre, vraiment beau. J'étais contente de voir les tresses parce qu'au début, genre, quand je voyais juste les gudus, j'étais comme... Donc les tresses, c'est beau, là. Puis, quand après, j'ai vu le deuxième indice, j'étais comme... Je tripais pas les espèces de volants, mais avec mes couleurs, j'aime ça. Ouais, c'est vraiment beau. Puis ça, c'est du pick-up, c'est des chartreuse. Ça va matcher avec ton spilat. Oui. Puis c'est des chartreuse en garter, tout simplement en plein mousse. Puis les bandes blanches chez des cold torse. Puis ça se fait super vite. J'ai fait la moitié, je l'ai fait dans une journée. Comme le premier côté, une soirée. Puis hier, j'ai tricoté un peu moins. Non, mettons 2 soirées. Parce que je l'ai fait dans la journée. Fait que mettons 2 soirées, ça. Puis là, tu vois, hier, dans la soirée, j'ai fait la moitié de l'autre. Puis après ça, on va re-pick up en haut, ici. Puis il y a des câbles qui vont là, puis là, qui vont rester à faire. Puis après, j'ai pas regardé l'indice 3 qui est déjà sorti. Je sais pas qu'est-ce qui s'en vient. J'ai réussi à ne pas me le spoiler. Parce que tu sais, je suis quand même en retard de 2 indices, là. Je l'ai fini, puis l'indice 3 était déjà sorti. C'est des gros indices, là. Fait que, mais ça va super vite. Ouais, c'était plus ça. La petite, en plus, son premier est plus court, mais le premier était long. Ouais. Fait que, d'après moi, je vais être jeudi, quand il va sortir le 4, je vais commencer le 3. Fait que, tu sais, je suis comme un indice en temps. Non, c'est pas. Fait que, c'est ça. Très beau. Mon MCAL, je tripe les couleurs, je l'adore. Magnifique! As usual, Monsieur Steven West, ne déçoit pas. Ne déçoit pas. Ça me fait rire parce que j'ai un trip de orange parce qu'au début, dans les premiers épisodes, j'aimais pas l'orange. Puis d'ailleurs, la Sandness Garn, c'est celle-là. Puis la couleur, c'est
Orange. Écoute, c'est parce qu'il y a des numéros, mais c'est écrit comme en... pas anglais, fait que... en norvégien. Fait que je suis pas capable de dire c'est quoi la couleur ou le numéro de l'eau. Fait que... orange. Je l'ai acheté chez Club Tissu. Ah, la seule? Nice. Ouais. Ben, toute la laine, je l'ai achetée. Ceci est un projet boulet. Ah oh oui, ça fait longtemps, hein? Je pense que je l'ai commencé genre en février. C'est un sea glass pour mon chum. Et j'ai fait les manches. Pourquoi c'est un boulet? Parce que le sea glass, pour faire tes changements de couleur, tu fais des magic notes. Tu sais, fait que tu coupes ta laine. Puis elle, normalement, elle recommande à chaque rang, tu coupes tes deux laines. Puis tu attaches à chaque rang deux nouvelles laines. Fait qu'on s'entend, ça vient rapidement assez drainant. Mais l'affaire, c'est que le sea glass, à la base, je pense que c'était le sea glass tee. Tu sais, le premier patron qui est sorti, c'était un chandail. Fait que tu sais, t'as le yoke, t'as le corps, bon, ça va. Mais quand tu fais le chandail, puis que tu changes tes deux laines à chaque rang de tes manches, ça fait vraiment chier. Comme couper les laines à chaque rang de tes manches pour mon chum avec des brelons, sérieux, c'est l'enfer. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même utilisé des restants d'auto-rayante. Fait que des fois, vu que je mettais de l'auto-rayante, je changeais pas mes fils aussi souvent. Puis en plus de ça, l'autre couleur qui n'était pas de l'auto-rayante, je la changeais quand même aux deux rangs. Fait que tu sais, des fois, ça me fait comme des doubles rangs, là. Mais ça fait que c'est un petit peu moins pire, mais malgré tout, je l'ai tellement laissé dormir longtemps parce que ça me tentait pas de travailler dessus. C'est juste trop chiant. Mes couleurs sont vraiment mais ça achève. Ben ça, là, il me reste juste le corps. Puis sais-tu pourquoi j'achève? Parce que je l'avais laissé dormir après avoir fait une manche et entamé la deuxième. Mais là, je suis tombée en arrêt de travail. Puis moi, avant, je travaillais les mercredis, jeudis. Fait que là, maintenant, les mercredis, jeudis, c'est ma journée de travail. Je tricote ça à la place d'aller à job. Fait que c'est comme je travaille, mais je travaille pas, tu sais, je tricote. Fait que là, juste à cause que j'ai fait ça cette semaine, ben j'ai fini une manche. J'étais comme crime. En une semaine, j'ai fait une manche. Ben une semaine, mercredi, jeudi, j'ai tricoté la manche, j'ai fini ma manche. Juste parce que ben je me suis dit, j'ai pas le choix, tu sais, si on est sur des heures de travail, il faut que je tricote mon sea glass. Fait qu'il va se finir. Mon but, c'est de le finir avant que j'accouche. Ah! Mais je pense que je vais être... Ça devrait le faire. Je vais être correct parce qu'il me reste quand même une couple de semaines. Fait que, tu sais, si j'ai fait une manche en un mercredi, jeudi, je me dis que ça devrait s'en venir. Fait que ceci, le sea glass. Pour mon petit chum. Pour le petit joujou. Drop the mic. Fait que c'est tout des restants. Fait que je mets comme de la worsted ou de la DK ou de la fingering double ou de la lace triple. Je m'amuse. De la handspun. Ouais. Dans les FO, j'en ai pas parlé. J'ai des FO flash, vous les voir. Ben oui, on va les voir. Ça, c'était un bat de Akara que c'était mon cadeau de fête de la part de Maxime l'année passée. Inspiration de Greatest Showman, qui est un film que si vous avez pas vu, je l'adore. C'est vraiment beau. C'est magnifique. Tu te fais frencher par le petit. Je me fais frencher par le petit. Ça, c'est... Oh my god, celui-là, il est tellement beau. Ça, c'était un... Je m'étais inscrite à Edge of Fibers, le Fiber Club. Donc, ça, c'est une des tresses. Puis, il y en a trois. Je pensais avoir apporté les deux qui sont filées, mais l'autre, je la trouve pas. Elle doit être restée à la maison. Donc, ça, c'est en est une. Il y a l'autre. Puis, celle-là, c'est la troisième que je suis en train de terminer. Oh! Je voulais faire le Action Shawl de Andrea Murray avec ça, en rajoutant un gris ou quelque chose. Mais l'autre écheveau que je n'ai pas apporté est beaucoup plus dans les bleus. Fait que je sais pas si c'est ça qui va se passer avec. Mais j'aime ça, vraiment. Ça, là, tu as du fun à tricoter ça. Ouais, c'est vraiment beau. Excusez. Puis ça, c'était une tresse que j'avais achetée à Cara aussi. Je crois que celle-là, c'est du BFL. Les autres, c'était du Merino, là, C'est tellement le fun à filer du BFM. Puis là, j'avais commencé sur mon rouet... j'avais commencé sur mon spindle, puis après, j'ai continué sur le rouet, fait que
il y a un que je me suis trompée de bord pour le plier. Fait qu'il va falloir que je le replie dans l'autre sens. Un petit peu overplie. Ouais, je me suis trompée de côté. Fait que... Il y a du twist là-dedans. Mais comme... Mais c'est beau en maudit. J'aime. Ouais, celui-là, il est genre parfait. Là. Je me souviens pas c'était quoi le nom, la couleur, par contre. Je l'avais acheté à Knit City. Mais ouais, je me rappelle pas. Parce que, vous savez, moi, je note pas mes affaires. C'est tellement beau. Ah oui, c'est vrai! Celle-là, il y a du lin dedans. Ah! C'est Mérino soie lin. Fun times. C'était spécial de spinner avec le lin. Ça veut pogner en mouton. Ah ouais, c'est hein? Raide. C'est vraiment un autre... J'ai dû sniff tes cheveux. Un autre affaire. Ça, c'est parce que je sais vraiment pas c'est quoi. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une tresse BFL que j'avais achetée de Les Artistes Textiles du Témiscouata. Et c'est... Dans le fond, regarde. La tresse est sur cette bobine ici. Le reste, la tresse. C'était ça. Puis, je la trouve vraiment belle, mais j'étais comme, il me semble que je la plairais avec du blanc, tu sais. Puis, à Compton, j'avais acheté des relags à Paul pour fit avec, puis finalement, il n'y en avait pas assez. Fait que là, j'avais du blanc des artes, de brebis. Fait que j'ai fait un mélange rustique pour rustique. Qui est, mais tu sais, je l'avais mis en attente parce que j'étais pas sûre que c'est ça que je voudrais faire avec. Mais maintenant que je le revois, je pense que je suis sûre que c'est ça que je veux faire avec. Ouais, c'est vraiment bon. Rose blanc. Il y a manqué un nom? Ouais, voilà, parce que j'ai aucune idée c'est quoi. Je m'en rappelle mais on vraiment peut le montrer pareil parce que c'est beau. Je m'en rappelle vraiment pas. Ceci est beau. Mais j'ai commencé en fait, tu sais, j'ai des étiquettes là, mais c'est parce que des fois je les perds, mais je me suis commencé un cahier de notes où j'écris plus précisément ce que j'ai fait. Mais on peut juste le contempler puis trouver ça beau. Puis sinon, j'ai ce début-là qui est une nappe Rose Gold Fibers. Ooh! Me gusta. Oh, c'est beau! My God! Très, très beau. Ah. Là, comme, au lieu de vous montrer comme nos achats, parce qu'on en aurait bien trop là, en un an, là, on va plus vous montrer comme c'est quoi nos prochains cassons. Fait que ça va être juste ces achats-là. Ouais! Vas-y! Ben moi, je pensais peut-être faire un Pink Fizz avec ce cône de Nurtured qui est la couleur courte pointe. C'est genre gris, rose, bleu, vraiment trop beau. Et ce mohair de Chani, de bleu poussière, qui est la couleur templier, je pense, ouais. Regardez les deux ensemble, c'est beau. Fait que dès que je finis mes autres en cours, mes autres chandails, fait que mon Seaglass, mon Zosia, puis ma collabo bien-aimée, que je vous ai pas montré, mais plus tard. Je vais probablement me mettre là-dessus. Moi, un de mes prochains, je vais essayer de continuer mes whips, là. Mais c'est qu'on dirait que je sais pas, je suis dans un bout de ce que j'ai juste envie de cassonner les affaires. Fait que c'est ça que je fais. Ben oui. Je vous l'ai dit, je trippe orange et rose ensemble. Fait que ça, c'est mon achat petite laine. C'est tellement beau. Qui la frisonne... J'avais l'étiquette, elle est tombée! Mais c'est brebis du beau rivage. C'est les brebis du beau rivage. La couleur... Orangeade. Orangeade de Timpac, les arts textiles du Témiscouata. J'ai acheté ça parce que j'ai acheté une chemise rose, flash, puis je veux me faire un débardeur orange. Oui. Pour aller dessus. Ça est beau. Ça, j'ai pas encore trouvé le patron qui me parle le plus. Je vais peut-être faire une espèce de Frankenstein patron parce qu'il y a des affaires que j'aime de certains que... D'autres, fait que je vais voir ça. Puis, ça, c'est acquisition Rhinebeck. J'ai le goût de faire de quoi brioche avec ces deux-là. Oui! Attends, je vais les mettre plus proche, qu'on voit les petites variations. C'est Moondrake pour les deux. En fait, ça, c'est la couleur de Moondrake faite par Spin Cycle. Puis, ça, c'est de la Moondrake. Ça, c'est la Moondrake. Je pense que c'est Lilac. Foua foua. Foua foua. Toi? Electric Lilac. La base foua foua. Ça, c'est Moonbeams. Moonbeam. Ouais. Ouais, Moonbeam. Fait que j'ai goût de briocher ça. Je sais pas encore quoi, mais tu vas briocher. Ouais. Ouais. Je sais pas encore quoi. T'en as un de chaque. Oui. Plusieurs possibilités, ça fera toi. Ouais.
Fait que je sais pas ce sera quoi, mais ce sera ça. Puis ça, je vais pas la tricoter tout de suite, je voulais juste la montrer parce que c'est beau en maudit. Parce que ça, je l'ai pris aussi à Rainbeck, ben à Indie Untangled. Puis j'avais déjà commandé deux fois la fingering merino de cette couleur-là. Puis je me suis dit que un peu de mohair avec ça, ça serait beau. Puis ça, c'est quoi? Puis ça, c'est parce que j'avais jamais... que je connaissais pas cette marque-là. C'est mon amie Tiffany, la propriétaire de la boutique Twisted chez Laval, qui est allée en France, puis elle m'a rapporté une quantité top, là, j'ai trois échevaux, de le chat qui tricote. C'est tellement cute, mon Dieu, c'est MCM, ça? Je sais pas, mais c'est doux. Non, Merino soie. Merino soie, c'est doux en tape, puis écoute, c'est la shiny couleur. Ça s'appelle menthe à l'eau, la couleur. Puis ben la couleur, c'est vert tania. Vert tania! Fait que c'est vraiment doux, c'est vraiment beau. Probablement que je vais attendre au printemps pour la tricoter, parce que je vais me faire un top. Je suis vraiment dans les t-shirts, camisoles, je suis vraiment dans un trip là, fait que je vais le rider. Tu préfères celui avec le ruffle? Non. How about hello? How about no? Fait que ça, puis ma dernière affaire, parce que ça c'est mon projet. Quand je vais avoir terminé ma dernière tresse de Hedgehog, c'est mon prochain projet filage. J'ai acheté ceci à Rainbeck, qui est, ma foi, tellement beau et doux. D'une douceur. BFL soie. BFL soie, hein. 450 grammes. Non teint. C'est beau. Pour te faire un chandail. En teint. Oh my god. Pour me faire un chandail. Ah! Oh, ouais. C'est peut-être mon oreiller. C'est malade. Oh my god, c'est incroyable. C'est un. Tu sais, comme les piscines de balles, genre. Tu mets ça dedans à la place. Ah oh ouais. Tu peux aussi juste le porter comme ça. Ça reste de boulocher, par contre. Ouais, ça reste de boulocher vite. Mais comme... C'est vraiment doux, là. Puis ça sent les petits moutons. Puis, pour vrai, là... Ça fait pas cher, en plus. Non, je pense que si je retourne l'année prochaine à Rainbeck, ça va être eux autres, mon... C'est la ferme, c'est quoi? C'est... The Sheep Shed. Ouais. Pis comme c'était full pas cher, pis je peux faire un chandail. Non, ouais, c'est vraiment beau. Fait que c'est ça à venir dans les prochains épisodes de Tania. De procrastinateuse aussi. Ouais. Merci de nous avoir écoutés pour ce dernier épisode conjoint. Et de nous avoir attendus. Peut-être le dernier, parce que ça se peut qu'on en fasse d'autres. Ben ouais. On va voir comment la vie, le flow va. Puis, mais attendez-les pas, mettons. Non. Mais vous allez voir, vous allez nous revoir, c'est sûr et certain. On va être là. J'espère que ça va être. Vous allez nous aimer quand même, même si on est séparés. J'espère que vous allez me pardonner de ne pas qu'on se sur YouTube. Mais oui. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'option YouTube, genre limiter les views. Je sais pas comment dire. Même si tu as une chaîne que tu peux contribuer, genre un peu comme à la Patreon. Non. Ben non, pour ça, faut que t'aies déjà 1000 abonnés. Mais moi, je veux pas 1000 abonnés. C'est ça l'affaire. Fait que je suis comme, j'ai pas le choix. Patreon et tout. Je comprends. C'est trop. Je suis pas bonne pour gérer les messages. Là, comme, je m'en rends compte, là. Comme, hey boy. Tu sais, je me dis, si j'ai juste Patreon pis il y a beaucoup moins de monde, tu sais, je vais juste gérer les messages de Patreon. Instagram, je peux continuer d'être pas bonne. Mais Patreon, c'est honnêtement comme mon focus, genre. Moi, c'est super, j'en ai pas sur Instagram. Je pense qu'à un moment donné, j'ai comme dit que j'étais une personne gênée pis tout, pis les gens l'ont vraiment, genre, pris pour du cash, genre. Le monde me parle pas, pis je suis comme, OK! Ouais, je sais pas, je suis pas bonne. C'est ça. Je suis gênée, qu'est-ce que vous voulez vous dire? J'ai pas une grosse bulle, fait que... Mais moins de monde, plus intime, je suis dans. Ça me motive. Cool. Fait que c'est ça. Fait que juste lancez-moi pas de rush, s'il vous plaît. On va te lancer de la fibre à la place. Oui, je te lance du mer. Lancez-moi du mer à la place. On espère que vous n'êtes pas trop déçus, s'il vous plaît. Pas de dommages. Dommage que tu veux pas qu'on dise que c'est dommage. Mais non, mais. C'est pas dommage. C'est la vie, c'est juste la vie. La vie, c'est pas stagnant. C'est pas dommage. C'est que tout change en vie. Exact, c'est juste une nouvelle étape. C'est ça. On rentre dans autre chose.
C'est ça. Fait que merci de nous avoir. Je suis comme, je fais juste étirer parce que je suis comme, oh mon dieu, je vais pas le finir. Écoute, si on s'ennuie trop, on reviendra, on fera comme Dominique Michel, on prendra 28 retraites qui sont pas des vraies retraites. C'est pas grave. Ceux qui se rappellent, ils se rappelleront. Fait que c'est ça. Bye. Bye.